Madame, Monsieur, bonjour. Le plaisir est immense de vous retrouver tous les jours, désormais, dès lundi 10h. Nous parlons du Cameroun, nous parlons de l'actualité, nous faisons le débat, ça sera ensemble, comme de coutume. Et ce matin encore, comme de coutume, justement, au cœur de l'actualité, nous parlons de ces remous, alors, ou de ces nouvelles, si vous voulez, à la Ligue professionnelle de football du Cameroun, où le général Pierre Semengue est annoncé de retour dès le 22 février prochain, date choisie par le comité exécutif de la fédération camerounaise de football pour la relance du championnat de football inter-camerounaise. Nous irons aussi, parlant de CAN Total Energy 2021, interroger les récentes sorties du professeur Maurice Kamto, qui, dans une sortie justement, appelle tous ses militants à ne pas parler en mal de la Coupe d'Afrique des Nations inter-camerounaise. Kamto, Maurice, le professeur, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, appelle désormais à l'apaisement. C'est la thématique numéro une qui meublera nos échanges. Et ensuite, nous irons là, au-delà de nos frontières, avec ces sorties de certains médias occidentaux qui évoquent la possibilité d'un variant camerounais en parlant de termes de COVID, en parlant de COVID-19. Les axes majeurs de notre réflexion de ce matin sont connus, mesdames, messieurs. Juste une respiration en régie et nous revenons tout de suite pour la présentation de ceux et celles qui nous accompagnent ce jour. Retour sur le plateau du débat ce matin. Nous sommes en compagnie d'éminentes personnalités de la scène politique et même médiatique camerounaise. Et la toute première, honneur aux dames, que je m'en vais présenter ce matin, c'est Madame Odile Yogo, un cadre de Quoi au Cameroun, Quoi au Cameroun, Believe in Cameroun, qui veut dire tout simplement le crack. Bonjour Madame et bienvenue. Stéphane, je suis content d'être là, sur ce plateau, avec vous en face, parce que c'est la première fois. Nous avons souvent été des panélistes, mais aujourd'hui, je suis en face de vous, donc j'espère ne pas vous décevoir. Et je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et comme on nous a dit que tout le mois de janvier, on peut dire bonne année, je continue à dire bonne année à tout le monde du côté de Macaque, de mon village Minkodem. Et je ne vais pas déroger à la règle des oubliés de la République. Oui. Ce matin, les oubliés de la République, ce sont les cultivateurs du riz dans l'extrême nord. Alors, les paradoxes de ce pays, c'est que c'est à l'extrême nord qu'on cultive le riz, mais les décortiqueuses sont à Yaoundé. Donc, oui. Les gouvernants font des lettres pour dire que nous ne devons plus exporter les céréales parce qu'il va en manquer au Cameroun, je pense que les mêmes gouvernants devraient peut-être faire l'effort d'envoyer les machines là où le riz se cultive. Donc, ce matin, c'était mon coup de gueule. Pensez aux riziculteurs et mettez à leur disposition des machines à décortiquer le riz parce que beaucoup le font encore à la main. Et le riz camerounais, il est très bon. Alors, je sais que c'est attaquer toute une filière de ceux qui font, qui importent du riz, mais je crois qu'encourager le riz local, ce serait quelque chose de bien aussi. Ce serait des emplois, ce serait des vies sauvées et ce serait une fierté de consommer camerounais. Merci. Et par ces temps de la CAN, on en a besoin. On en a véritablement, véritablement besoin. Merci pour ces focus. Coup de projecteur sur cette filière riz qui fait véritablement débat au Cameroun. Il est un paradoxe, comme vous l'avez précisé, de cette production qui est exploitée hors du lieu de production, freinant ainsi toute ambition de développement local. Alors que nous sommes en décentralisation, l'ambition devrait véritablement être aussi un développement local. La seconde personne que je présente et qui nous accompagne ce matin est un visage connu de ce programme. Il est membre du comité, il est membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et c'est la voix du comité central de cette formation politique. Simon Mistingué, vous êtes aussi journaliste, parfois il faudrait le préciser. Bonjour, bonne année et bienvenue. Bonjour Stéphane Paga, bonjour au panel, bonjour également à nos millions de téléspectateurs, un bonjour particulier à
tous ceux et celles qui convergent vers le Cameroun depuis décembre, oui, pour assister à la grande messe du football, je dirais, du football international tout court. Et évidemment, me poser une question, est-ce que la CEMRI se trouve à Yaoundé? Bon, madame Yago est tout à côté de vous, peut-être. La CEMRI est à Yagoua. Ah. La CEMRI est à Yagoua et puis la CEMRI a aussi une base à Maga. Et donc, c'est là-bas qu'on cultive le riz. Et le problème, c'est que les décortiqueuses sont en majorité à Yaoundé, dans des magasins. Donc, il faudrait dénoncer cela parce que les riziculteurs continuent à taper le riz à l'ancienne, quoi, à le vanner. Cette précision que je voulais, parce que vous avez dit que les décortiqueuses sont à Yaoundé, mais il y en a certaines qui sont à Yagoua. Oh, certaines, très peu, par rapport à la main d'œuvre qui est là-bas. Je crois que vous ferez mieux. On peut donc exhorter les pouvoirs publics à transférer toutes les décortiqueuses de l'autre côté, sauf que la culture du riz fluvial qui est dans les... Oui, non, mais je voudrais dire que dans les zones de production, il y a des centaines et centaines de tonnes de riz qui sont dans les magasins de la CEMRI. Mm-hmm. Il y a du paddy qui est en attente d'être vanné. Donc, l'État gagnerait à mettre à disposition des machines pour augmenter la production. Monsieur Bessengue, nous sommes encore aux présentations, s'il vous plaît. Ne commencez pas le débat avec madame. Permettez que je présente. Je voulais juste. Le cri de cœur de madame a été entendu. Les autorités en charge de ce secteur-là, certainement, prendront les responsabilités qui sont les leurs. Nous connaissons tous les deux, donc il commence tôt, mais c'est beaucoup trop tôt. Quoi. Alors, la partie sera belle. Je poursuis les présentations et je présente un visage de la rédaction centrale d'Info TV. Laurent Patrick Ambara est un journaliste d'investigation, comme il aime lui-même à le préciser. Bonjour Laurent et bienvenue. Bonjour Stéphane Barga. Bonne et heureuse année à Madame Odile Yogo, que j'ai toujours le privilège de retrouver sur ce plateau. Bonne année. Bonne et heureuse année à mon ami et confrère Simon Metiengue qui a choisi quand même de manger dans le grand air. Bonne année à tous les Camerounais qui nous regardent à l'instant. C'est un plaisir de revenir partager avec vous, n'est-ce pas, ce grand et beau repas intellectuel. Permettez-moi, comme il est de coutume, de dénoncer quand même quelque chose. Allez-y. Vous savez, une canne ne peut être sucrée que si tous ceux qui ont participé à la belle réussite, n'est-ce pas, sont satisfaits. Mais monsieur Mbarga, il se trouve qu'aujourd'hui, parce que je suis la voix de ceux qui n'ont pas de voix, je suis la bouche de ceux qui sont cachots, cachots du désespoir, comme aimait le dire Aimé Césaire. Alors, il y se pourrait que, et ce qui est vérifié, parce que j'ai mené mes enquêtes, que l'hymne de la CAN, oui, on a eu à mettre de côté l'auteur, compositeur, arrangeur de cet hymne. Lorsque l'hymne est sélectionné, il s'agit bien de monsieur du DJ Romeo, qui d'ailleurs, malgré toutes les lettres adressées au ministre des Sports, parce qu'on retrouve aujourd'hui les Aladji Touré qui sont dans le nouveau collectif, qui n'étaient pas là. Celui qui est même ce qui a recruté, parce qu'on s'est justement posé la question, vous et moi, que mais les gars qu'on n'a jamais vu chanter, oui, c'est l'œuvre de Romeo qui a ramassé ces jeunes, qui a associé, il a donné du sien, mais lorsque l'hymne a été sélectionné, cet hymne a été plagié, on n'a que fait le montage des images parce que la version est restée celle de DJ Romeo. Je m'interroge donc et je pose la question à monsieur le ministre des Sports. Est-ce qu'on a besoin d'en arriver jusque-là? Est-ce que quelqu'un ne peut pas également vivre de son œuvre? Non, monsieur le ministre, pour que cette CAN soit réellement sucrée dans le cœur de tous les Camerounais, il faudrait remettre celui qui a travaillé jour et nuit pour ce qu'on a retenu comme hymne de la CAN. C'est ma dénonciation de ce matin. Merci Laurent Patrick Ambara. C'est vrai que cette histoire d'hymne de la CAN plagiée fait abondamment réagir sur les réseaux sociaux. Et je précise que, justement, vous allez pousser l'investigation et nous aurons dans les prochains jours les détails sur cette scabreuse affaire qui peut-être servirait une canne un peu amère à tous les Camerounais. Nous n'en sommes pas encore là, nous allons investiguer et vous présenter, mesdames, messieurs, le meilleur au sujet de cette information. Alors, nous ne sortons pas des arcanes du football, mais là nous allons du côté de la Fédération Camerounaise de football avec cette réunion tenue hier entre le président Samuel Eto'o et certains, alors le président
des clubs de première division, de League One, si vous voulez. Il a été convenu que le général Pierre Semenge revenait aux affaires et que le championnat camerounais serait lancé dès le 21 février 2022. Alors, Laurent Patrick Amara, vous avez la parole. Je vous la restitue, ou alors vous continuez avec cela. Alors, est-ce que lorsqu'on regarde, il n'était pas temps du côté de la Ligue professionnelle de football de repartir avec un nouveau souffle que celui du général? On aurait pu voir une autre personne, peut-être un peu plus jeune et plus dynamique, pour refaire décoller la machine. Il faut d'ailleurs comprendre ici, M. Stéphane Barga, que lorsque la Ligue de football professionnel est suspendue, malgré les multiples recours, aujourd'hui on remet la Ligue, demain on enlève encore, c'était une grosse erreur de M. Sédou Moumbondjoya. Parce que justement, le mandat du général Pierre Semenge n'était pas encore achevé. Oui. Donc, si aujourd'hui Pierre Semenge est... Moi, je vais dire ça comme ça. On a remis tout simplement Pierre Semenge dans ses droits. Oui. Donc, qu'on laisse qu'il termine son mandat. Et puis, il faudrait souvent qu'on mette un peu de côté cette affaire où on l'a vu avec Samuel Eto'o lui-même, où tout le monde a dit que ce n'est pas parce qu'il était un bon footballeur qu'il sera un bon manager. Ce n'est pas parce que le général Pierre Semenge était c'est quelqu'un estime qu'il est déjà vieux qu'il ne peut pas gérer la Ligue de football professionnel. Non, il est temps quand même également que... on est un football professionnel vraiment à la hauteur des autres compétitions. On le voit lors de la Coupe de la CAF. C'est à peine si le Cameroun arrive avec une équipe seulement. C'est à peine. Donc, redonner confiance au général Pierre Semenge, c'est pas aussi fallacieux parce qu'il y avait des présidents de club. Tous savent ce que le général Pierre Semenge également, faut pas le méconnaître, faut pas rejeter tout cela en bloc ici. Il a quand même apporté assez, n'est-ce pas, à la Ligue de football professionnelle. Oui. Donc, je crois aujourd'hui qu'il doit aller dans la continuité de ce qu'il a commencé. Que celui qui viendra donc après lui, également, engage ses nouvelles réformes, mais qu'on laisse le général Pierre Semenge achever justement ce qu'il a commencé de prime abord. Merci, Laurent Patrick Amara. Alors, Simon Messengue, parlant du général, le voilà qui revient aux affaires par la volonté du nouveau président de la Fédération Camerounaise de football, Samuel Eto'o. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Semenge qui revient, c'est une bonne nouvelle? Parce que justement, on se souvient, avant que ces déboires avec M. Seydou ne commencent, qu'il y avait quand même une subvention du président de la République qui mettait à sa disposition près d'un demi-milliard. On parlait d'une somme de 500 millions qui devait être repartie entre les différents acteurs du mouvement football, le football amateur, la deuxième division, les clubs de région. Et beaucoup d'acteurs à l'époque aussi dénonçaient déjà la gestion parfois rigoureuse ou alors très ferme du général qui avait parfois la main un peu serrée quand il fallait libérer l'argent, Simon Messengue. Aujourd'hui, il revient. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Est-ce que le général revient? Le général était là. Puisqu'il me semble que le TAS a débouté sa suspension. Donc le général était là. Il était juste question qu'il y ait une meilleure organisation. Et c'est d'ailleurs, je crois que ça entre dans le recadrage même du chef de l'État le 10 février 2021 quand il demandait aux instances fêtières du football, à ceux qui gèrent le football camerounais de se ressaisir. Oui. Il s'agissait de cela en fait. Parce que ici, le général, général Semenge était de fait, sur le plan juridique, président de la Ligue professionnelle de football. Parce que c'est le TAS qui gère les affaires juridiques du sport dans le monde. Et donc, le TAS a jugé que la démarche de la FECAFOOT était une démarche illégale et donc a rétabli le général dans ses fonctions. Donc, le général était déjà là. Mais maintenant, à la question il faut dire que maintenant, Samuel Eto'o n'a fait que gérer les choses dans le cadre légal. C'est-à-dire que, voilà, maintenant... nous allons lancer le championnat telle date et il faut que tout le monde s'y mette. Alors Simon, mais par contre, oui. À la question de la gestion, Samuel Eto'o a aussi très bien fait d'instruire un audit. Mm-hmm. Oui. L'audit, au niveau de la Ligue ou au niveau de l'Afrique football. Football en réalité, l'Afrique football fait partie de la Ligue. Mais c'est vague, monsieur Messengue. On ne peut pas faire l'audit du football camerounais. Non, ça prendrait des années. Non, c'est pas vague. On a dit la gestion. La gestion d'un bureau. Oui.
La gestion d'un bureau, non, on va faire un audit. D'ailleurs, vous ne pouvez pas prendre les commandes d'une instance sans avoir l'audit, sans avoir les éléments. Je voudrais qu'on se comprenne bien. Est-ce qu'on parle de la fédération ou de la Ligue professionnelle du football? La Ligue professionnelle du football fait partie de la fédération. La gestion d'un bureau, non, on va faire un audit. La Ligue professionnelle du football fait partie intégrale de la fédération. C'est pour ça que la tutelle de l'Africa Foot, la Ligue professionnelle du football, c'est l'Africa Foot. Oui, et donc, quand on dit qu'on va faire l'audit, on va faire l'audit de tout cela. Pour permettre donc à Samuel Eto'o de voir un peu plus clair, de savoir les engagements qu'il a, de savoir tout ce qui s'est passé et par la même occasion de voir donc sur quel niveau danser. Donc si la gestion du général a été entachée d'erreurs ou de malversations, évidemment l'audit nous le dira, mais jusqu'ici je pense que le général est dans ses droits et nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance pour la fin pour la suite, autant pour moi. Merci Simon Messinguer. Alors Madame Yogo, voilà le général qui reprend du service. C'est une nouvelle qui a abondamment fait réagir. Mais je précise aussi que le général était censé porter une certaine dynamique. À l'époque, l'on parlait de la mutation des clubs de football camerounais en entreprise, en SA, en société anonyme. Le bilan de cette démarche jusqu'ici n'a jamais été véritablement révélé. On avait senti les réticences des clubs. Le général avait été mis en minorité par les présidents de clubs. Certains avaient même menacé de ne pas continuer le championnat. Est-ce que la méthode du général Semengue aujourd'hui est encore susceptible de fédérer alors qu'on parle d'un lancement d'une nouvelle dynamique dans le football camerounais? Je ne sais pas ce qui gêne à réhabiliter quelqu'un qui était dans ses droits. Oui. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, son mandat n'était pas terminé. Oui. Et à partir du moment où son mandat n'est pas terminé, je crois qu'il se termine dans un an, ça nous coûte quoi de le laisser finir tranquillement? Qu'il finisse son mandat, qu'il rende compte, et puis s'il faut le remplacer, qu'il soit remplacé. Oui. Ce n'est que normal. Je souris quand j'entends souvent dire « bon, c'est quelqu'un de vieux, il n'a plus sa place là », mais moi je ne comprends pas comment on va toujours tout ramener à une question de vieux. Dans la sagesse africaine, on nous dit que les jeunes sont les béquilles de vieillesse. Oui. Mais on nous enseigne aussi que les vieux, ce sont les pieds de derrière d'une chaise. Le jour où vous voulez vous adosser, vous allez vous adosser sur quoi? On ne brûle pas les bibliothèques. Et que les bibliothécaires ne partent pas aussi avec les clés. Voilà les vrais problèmes qu'il faut se poser. Le général Semengue a une expérience de vie, autant militaire que civile et sportive, qu'on gagnerait à tirer profit de cela. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations où le football camerounais était dans un conflit total. D'un bout à l'autre, sur tous les angles, de tous les quatre points cardinaux, il y avait problème. Depuis le 11 décembre, avec l'élection de Samuel Eto'o, les choses sont en train de changer et moi je trouve que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut réhabiliter ceux qui peuvent être réhabilités. On a bien vu qu'il a fait avec Banlock. Vous n'avez pas parlé de l'âge de Banlock. Quand c'est le général, on dit il est vieux, mais Banlock, le secrétaire général est revenu. Nous sommes d'accord, nous ne faisons pas une fixation sur l'âge du général. Voilà. Nous interrogeons la méthode Pierre Semengue dans son management. Je sais que vous êtes assez futé sur cette thématique-là. Le management, le leadership de Pierre Semengue qui parfois est militaire et qui fait des fracas dans le mouvement sportif où des gens, les patrons de club en l'occurrence, ont leurs habitudes. Justement, j'évoquais le projet de muter tous les clubs camerounais en société anonyme pour que véritablement la Ligue soit professionnelle. Parce que c'est vers cela qu'on était censé partir. Et la subvention du chef de l'État était spéciale. On parlait de près d'un demi-milliard qui était attribué comme ça à la Ligue pour que elle accompagne le processus de mutation des clubs, des clubs camerounais. Mais parfois aussi, de ce côté-là, ça n'a pas été... Bon, mais je ne sais pas comment on va demander à un militaire d'utiliser un autre système. C'est-à-dire qu'il a été formé, formaté par son système militaire. C'est-à-dire que son problème, le problème d'un militaire, moi je suis la fille d'un militaire, oui, c'est le résultat. Quand on demande à un militaire d'aller à la guerre, c'est pour obtenir un résultat. Donc, il ne va pas... Vous avez vu ce qui se passe avec l'équipe du Mali, vous avez vu ce qui se passe avec l'équipe des équipes où il y a des présidents militaires. Oui. Les consignes qu'ils donnent à leurs équipes nationales qui viennent à la CAN, ils ne sont pas tendres.
C'est-à-dire que c'est un langage militaire. On l'a vu avec le feu général Gay. Donc, vous ne pouvez pas mettre un militaire à la tête de quelque chose et lui demander un langage doux ou doucereux. Bon, peut-être même un peu diplomatique. Ce serait même difficile. Mais moi, je comprends que quand on a pris ses habitudes et que on a une façon de fonctionner à la militaire, c'est souvent cela qu'on applique quand on sort du cadre militaire. Peut-être faut savoir peut-être s'adapter. Mais quand on revient aussi à ces présidents de club, la dernière élection, ils n'étaient pas tous pour le changement. Hein. C'est, je crois que depuis hier, ils sont convaincus maintenant qu'ils auront chaque club 20 millions en D1 et puis 10 millions en D1. Ils se disent, ah tiens, les rêves commencent à devenir des réalités. Mais quand ils ne voulaient pas voter avant, ils avaient oublié qu'ils perdraient 20 millions. Et aujourd'hui, on sait que le gagnant de la Coupe du Monde aura 50 millions. On le sait à l'avance. Le gagnant de la Coupe du Cameroun. Oui, la Coupe du Cameroun aura 50 millions. Et on sait aussi que le championnat va commencer le 21 février. Donc, au moins, les choses sont claires. Et il finit au mois de juillet. Donc, tout est tellement clair et transparent que moi, je ne peux qu'applaudir. Et je me dis, le général Semenge, il a un mandat qui se termine. Et puis, honnêtement, à un âge, il faut regarder les arbres qu'on a plantés pour porter des fruits et voir les autres les manger puis applaudir. Je crois qu'à un moment, on l'a réhabilité, il a repris ses honneurs, ses galons de général, dans tous ses honneurs vraiment, à la fin du mandat, qu'il a aussi s'assoit et qu'il regarde l'arbre qu'il a planté. S'il a des bons fruits, il va en profiter. S'il a un bon nombre, les gens s'asseraient dessous. Sinon, ce serait dommage. Mais je pense que il peut sortir lui aussi par la grande porte à la fin de son mandat. Merci, chère Madame Yogo, pour votre première prise de parole. Alors, je termine ma présentation avec vous, Jean-Marie Fomongota. Bonjour et bienvenue. Vous êtes homme politique et vous arrivez. Nous parlons de cette mutation qui commence à se faire ressentir et nous évoquons le début du championnat camerounais dès le 21 février prochain. Mais nous questionnons aussi la reconduction tacite du général Pierre Semenge de ce côté-là. Et beaucoup dans le landerneau sportif camerounais évoquent un passif, pas trouble, mais qui interroge quant à la méthode Pierre Semenge dans ce milieu sportif. Quant aux sommes qui ont été débloquées, parfois par le chef de l'État, c'était une dotation spéciale. On a parlé d'audit, mais nous interrogeons, nous questionnons la méthode et le dynamisme. La personne choisie pour terminer son mandat, est-ce qu'elle est encore en situation? Nous sommes en 2022, les méthodes, la façon de faire, le style, ce mangue, est-il encore en adéquation avec le projet que porte le président Samuel Eto'o? Déjà, M. Mbarga, je suis choqué par vos mots, mutation. Quelle est la mutation qui a été faite à la fédération? Toute l'équipe qui a... Maintenant, laissez-moi parler. Vous, pourquoi chaque fois je vais parler, vous m'empêchez de parler? Je suis quand même une personne libre. Je sais qu'on nous muselle un peu dehors ce temps. Mais laissez-nous au moins parler, nous qui sommes encore pas encore condamnés à 7 ans de prison, laissez-nous parler. Je crois que vous devez regarder la chose avec attitude. Nous avons un président de la fédération qui est arrivé, qui n'a rien changé à la fédération camerounaise au football. Ce qu'on nous disait, il y aura des rénovations, c'est les mêmes qui ont travaillé avec Njoya qui sont là. Il n'y a rien qui a bougé à la fédération. Si quelqu'un peut me dire le contraire, qu'il vienne à me dire. Et alors, je suis plus choqué, c'est que tout le temps, depuis 2011 que je suis opposant au Cameroun, je parle de transmission administrative générationnelle. Le général Semenge, général de corps d'armée, 5 étoiles, a 86 ans cette année. Il est inacceptable qu'on parle de la Ligue professionnelle du football. Je vous parle du professionnalisme. Allez regarder dans tous les pays au monde, lorsqu'on parle du professionnalisme, on ne peut pas parler de quelqu'un qui n'est pas dans les temps modernes. Alors, il est inacceptable de voir que Samuel Eto'o fils arrive. Nous qui avons cru qu'en vérité, Samuel Eto'o fils venait changer le football, continue avec les mêmes habitudes, les mêmes attitudes du gouvernement, c'est-à-dire que garder les mêmes. C'est-à-dire que le général Semenge ne peut rien booster aujourd'hui dans le monde du football. Le football professionnel a besoin d'un manager visionnaire, et ce qui n'est pas le cas du général Semenge. Le général Semenge, on a connu à une époque, j'étais bébé, j'étais encore gamin, quand il était présent du tonnerre, Calaratop avec les Georges Royal, les Dora, mais autres, mais ce n'est plus cette époque, il y a plus de 40, et presque 40 ans aujourd'hui. Nous ne devons pas être à la hauteur de voir des choses se faire. Vous dites que le président Paul Biya a donné l'argent. Paul Biya trouve l'argent où? Pour donner un demi-milliard. Moi, j'ai l'impression que vous prenez la fortune du Cameroun comme un bien d'un chef d'État. C'est-à-dire, il donne un demi-milliard, il le trouve où? Il a une poche où il garde l'argent. C'est quand même de sa compétence. Monsieur Mbarga, vous demandez l'audit. L'audit doit commencer lorsque le président prend l'argent pour donner comme il le fait. Non, un président dans le monde ne donne pas de l'argent. Ce n'est pas le rôle d'un chef de l'État.
Le football a besoin des actionnaires. Le football, ce que j'attendais du chef d'État, c'est de dire à toutes les sociétés d'État de financer le football comme il a été à l'ancienne époque où on voyait la Caisse nationale de prévoyance sociale, où on voyait les Igo Kabi, on voyait la Sinec avec le canon et autres. C'est comme ça que le président peut apporter sa contribution au football, mais pas de prendre le bien du contribuable et donner. Ce n'est pas lui à faire des dons. Et maintenant, pour parler du management, moi je crois que nous sommes dans un rêve. Tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, madame nous explique que c'est effectif que les clubs vont toucher 50 millions à la finale. Où est cet argent? C'est ce que Samuel Eto'o dit, fait la propagande de ce qu'il va faire. Mais la réalité, c'est ce que nous on veut. Parce que moi, je suis dans le monde du réel. C'est-à-dire que je vais voir un président de club me dire, voilà, mes 20 millions, là, je vais dire, il a fait. Je ne suis pas dans la propagande. Tout le monde fait la propagande. Quand on voit un nouveau président, ah, je vais changer, je vais faire ceci. Mais en réalité, nous voulons voir cet argent avec les yeux. Quand je vois déjà Samuel Eto'o fils déclarer qu'il voudrait que les 24 bus après la Coupe d'Afrique reviennent au club, je me dis, il y a un sérieux problème. Le Cameroun n'est pas là pour faire des dons aux clubs. Les clubs ont besoin des hommes qui ont les financements pour les accompagner. Il n'y a aucun pays au monde où on prend les bus après la Coupe d'Afrique, on remet au club. Non. C'est-à-dire que Samuel Eto'o fils est entré dans un enfouement du gouvernement, dans un système de corruption qui veut nous apporter à quoi que son rêve sera le rêve de la réalité. Nous voulons voir les faits. C'est-à-dire que lorsque on entre en fédération, que Samuel Eto'o fils nous aurait présenté, voilà la caisse dès mon entrée qui a 600 millions. Samuel Eto'o fils a été prévu. Monsieur Marga, les audits au Cameroun, on les connaît. On connaît même la chambre de compte. Mais personne n'a vu personne aller en prison, ni personne interpellé, ni quoi que ce soit. Nous sommes fatigués de ces mots. Vous savez, les slogans, c'est une attitude camerounaise. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un montre qu'il est fort. Nous avons vu Samuel Eto'o fils au premier jour qu'il est arrivé à l'Afrika Foot. Personne n'entre à 8h. Allez voir l'Afrika Foot aujourd'hui si les gens n'entrent pas à 10h, 15h. C'est pour vous dire qu'on n'aime pas ce genre de choses. C'est-à-dire vouloir montrer que je vais changer. En réalité, tu ne changes rien. Parce que c'est un système. On ne vient pas changer un système. Pour changer le système, il faut l'alternative. Lorsqu'il n'y a pas d'alternative, on ne peut pas mouvementer un système. Vous avez parlé de la Ligue de football. À l'époque, le général Pierre Simonde est celui qui a piétiné le fait que le championnat ne soit pas effectif. Parce qu'il a eu un problème de rapport d'argent avec l'ancien président du UA. Et c'est ce qu'on ne veut pas parler parce que nous avons encore toujours l'émotion de dire, ah, c'est le général, il a servi le Cameroun depuis 59. Il est celui qui a pris le flambeau en 59 entre les mains des Français. Si on parle mal, ça va faire mal. Non, monsieur Mbarga, je suis Camerounais et je crois que quand on veut sauver le pays, on doit commencer à dire, papa, il est temps de donner aussi au fiston. Parce que tu as servi, on te reconnaît comme une grandeur, on te reconnaît comme un monument. Mais ne fais pas que tu sortes de là, qu'on ne puisse même plus parler du général Senengue. Et c'est ça le problème. Samuel Eto'o fils arrive avec les mêmes méthodes. C'est-à-dire les méthodes qu'on a vues dans le passé. Aller à la maison, se mettre à genoux, on touche la tête et autres. On ne veut pas ça. Nous voulons un dirigeant qui arrive et dit, bon, c'est fini le bal des jeunes. Voilà ce qu'on va faire. Voilà mon argent que j'apporte. Voilà ce que j'attends aussi comme on me restitue. Et voilà les promesses que j'ai faites. Je ne suis même pas sûr de ces promesses. C'est tout simplement merci, cela qui fait merci, le mal du Cameroun. Alors, on aura Patrick, je ne vous pose pas la question, mais je vous laisse réagir. Justement, je voulais rappeler quelque chose au président Jean-Marie Fomangota. Lorsqu'il fait déjà des procès d'intention à Samuel Eto'o, personne sur ce plateau d'ailleurs n'ignore que le président Jean-Marie Fomangota n'était pas pour l'élection de Samuel Eto'o fils. Je voudrais déjà également dire au président que si chaque fois qu'il sera dans son bureau où il accuse aujourd'hui Samuel Eto'o peut-être d'être en retard, mais si déjà lui-même a une émission, il ne peut pas arriver à l'heure, c'est un problème. Ça veut dire que lorsqu'il sera chef de l'État, on va signer les dossiers à la présidence à partir de 17h, et il va finir à 17h30, il sera chez lui. Je voudrais également rappeler au président Jean-Marie Fomangota quelque chose. Chaque jour, il dit, il faut un code électoral consensuel. Je n'ai jamais parlé de code. Tout le monde le veut. Non, permettez-moi de m'exprimer, président. Tout le monde le veut. Le président Jean-Marie Fomangota voudrait que, même lorsqu'il y a élection au Cameroun, que ça se passe dans les règles de la loi. Alors, voilà, je suis en train de venir jusque-là. S'il faut, il faille maintenant que c'est le même président qui nous dise que Samuel Eto'o, qui sait que selon le tribunal arbitral des sports, le général Semeng a encore son mandat, et nous dise que Samuel Eto'o devait dire au général, mets-toi dehors. Ça veut dire qu'il encourage ce jeune président à piétiner les textes et les lois du TAS. Ça, c'est la première des choses. Oui. Je voudrais également rappeler que si le chef de l'État, lorsque le chef de l'État prête serment, il prête serment au nom du peuple
Camerounais. Oui. Il est le garant de la souveraineté. Ça veut dire que si on vous a dit le chef de l'État a donné 500 millions, ni vous, ni moi, encore moi, monsieur Simon, nous savons tous que c'est l'argent du contribuable. Et ce j'ai tendance à décrier, c'est qu'on pense que lorsque vous arrivez quelque part, je vous le dis toujours, monsieur Marga, dans un monde des hommes injustes, l'homme juste est injuste. Les présidents des clubs au Cameroun veulent voir les enfants aller aux entraînements et donner 500 francs à ces derniers pour rentrer. C'est pour ça que vous avez vu la politique de transformer ces clubs en SA, devenir compliqué. Parce que là maintenant, le président de club sait que le joueur est un employé. Il a droit à un salaire. Il a droit à une sécurité sociale. Les présidents de club voulaient continuer à fonctionner dans leur rythme de désinvolture où son seul but est de former un joueur et de le vendre. Et l'argent qui est reversé revient entièrement à lui. Et c'est ce que le général n'a pas voulu laisser. C'est ce qu'il a refusé. Et c'est pour ça qu'à un moment, même lorsque ces fonds étaient alloués, il durcissait la main. Oui, parce qu'il savait que ça ne profite pas aux joueurs. Ça profite au président de club. Et c'est ce qui est vrai. Vous avez l'exemple avec le Tonnerre Canara Club. Vous avez l'exemple avec le canon sportif de Yaoundé. Où dès qu'on a dit SA, on a créé deux canons. Mais dès qu'on a encore dit SA, c'est devenu encore un seul canon. Parce que personne ne voulait rendre le canon ou le tonnerre en une société anonyme. Et on sait déjà à combien, lorsqu'on parle de SA, à combien s'élève le capital. Donc il faut déjà ici rappeler au président qu'il n'est pas temps de faire un procès. Il dit que tout ce que Samuel Eto'o dit, c'est toujours les mots, c'est la propagande, sauf qu'il n'est plus en campagne. Ça veut dire qu'il est libre de ne pas dire. Vous n'allez rien lui faire, il n'est plus en campagne. Il est déjà président d'Africa Foot. Ce que j'ai aimé et que moi j'ai vu avec ce jeune homme, c'est que quand il dit, il le fait. Faudrait qu'on arrête un peu de verser dans la gabegie là. Quand il dit, il fait. Samuel Eto'o, c'est encore très tôt. Il n'a même pas encore pris la présidence d'Africa Foot. Ça ne fait même pas deux mois. Le président veut déjà qu'il lui donne des comptes. Lesquels? Le président voudrait déjà que à la FECA Foot, les gens qui sont employés là-bas, peut-être qu'il n'est pas au courant, je lui donne cette information. Allez au service du courrier. Vous venez me dire, si ceux qui ont travaillé avec Bonbon Dieu au service du courrier, ils sont encore. Venez me donner cette information. Peut-être vous ne l'aviez pas. Je vous la donne merci maintenant. Merci Laurent Patrick Ambara. Alors, je voulais reprendre deux minutes. C'est-à-dire que je vois l'émotion et le soutien d'Ambara pour Samuel Eto'o fils, qu'il oublie que c'est le même TAS qui ne reconnaît pas Samuel Eto'o fils. Parce que si on prend le cas Abdourahmane, qui dit que depuis 2009, il ne doit pas avoir une élection parce qu'on n'a pas reconduit ce que le TAS a dit. C'est-à-dire, il prend à deux vitesses. C'est-à-dire, quand c'est pour ce même, il dit le TAS a dit. Mais quand c'est la légalité du TAS qui a reconnu qu'on ne doit pas avoir une élection au Cameroun des fédérations de football, là, il ne reconnaît pas. Ça s'appelle tout à fait une démagogie journalistique. C'est-à-dire qu'il joue avec des mots. Et je vois encore, non, vous voyez, le président a un retard sur l'information. Laurent, il a un sérieux retard sur l'information. S'il vous plaît, pour que le plateau est. D'accord, nous avons une dame. Je conseille au président de. Je crois que depuis que je coupe pas la parole. Allez-y. Je coupe comme si j'étais à l'église. Grand président, allez-y. Ce que je veux dire, c'est quoi? Vous savez, dans la vie du football, j'ai été footballeur amateur en France. J'ai eu une licence de la Ligue amateur footballistique en France. Je connais le monde du football. Et quand je parle du football, c'est avec beaucoup d'attitude. Dans le football, c'est pas des promesses, c'est l'action. Quand on vient en politique, on fait des promesses. Un maire, un député peut dire je veux, mais le football, non. C'est un monde qui a besoin plus de la concentration à séduire ce qu'on appelle les promoteurs et ceux qui ont les moyens. Mais si on vient déjà déclarer des choses et qu'on ne les réalise pas, je n'ai pas dit que je suis contre les déclarations. Ces déclarations de Samuel Eto'o, c'est un rêve. Mais nous voulons la réalisation. C'est-à-dire que chaque club nous dit le 21 que j'ai 20 millions. Parce qu'après, s'il n'y a oui, pas on le. Attend juste. Non, monsieur Amara, oui, on ne sait pas. Oui, on attend juste. On ne sait que. C'est un souhait pour tout le monde. Voilà. On ne se querelle pas. Non, ce que je veux dire, c'est que il faudrait que vous arriviez à joindre les deux bouts. Oui. C'est-à-dire que le même TAS ne reconnaît pas même cette fédération qui est élue.
Parce que depuis 2009, l'âge qui devait diriger n'a jamais dirigé. Donc, c'est ça que l'OTAS reconnaît. Si vous prenez seulement le cas de réhabiliter le général dans l'émotion de l'affection de papa qui ne veut jamais aller à la retraite, je vous consolide de ça. Mais moi, ce que je veux, c'est de voir un football professionnel bien organisé, beau, et que le Cameroun soit à la hauteur de garder au moins un des meilleurs. Mmh. C'est-à-dire, de, même si on ne garde pas tous les meilleurs, qu'on ait au moins un de nos meilleurs sur place qui gagne bien sa vie et qui peut aussi satisfaire la vie des Camerounais. Simon Messengo, vous avez une minute avant que madame nous conclut sur cette entrée. Oui, moi je voudrais dire que je voudrais d'abord évacuer cette polémique autour du don du chef de l'État. Oui. Les lignes de gestion et les lignes de gestion républicaines qui prévoient que le chef de l'État soit capable de pouvoir agir de cette façon-là. Il y a pas mal de sinistres ainsi de suite qui peuvent arriver et là le chef de l'État a ce sont ses prérogatives. Donc on va pas faire une polémique là-dessus. Donc si le chef de l'État l'a fait, s'il est dans le droit, surtout que Paul Biya est un légaliste, donc on ne saurait lui reprocher ce type de mimique-là. Par contre, ce que je voudrais dire ici, c'est quoi? C'est que M. Samuel Eto'o, président de l'Afrikafoot, n'a pas fait de vœux. Il a dit que c'est ça qui devra être fait. Et il le dit sur la base de quoi? Quand vous êtes un gestionnaire, vous savez que vous avez les recettes, vous avez les dépenses. C'est dans les recettes que vous planifiez. Nous sommes en Covid, monsieur. Sans championnat, on parle de recettes. Non, je vous dis, nous sommes en Covid. Je vous dis, les produits de l'Afrikafoot, c'est quoi? Il y a les subventions de la FIFA. Il y a les subventions de l'État, il y a la vente des maillots, il y a les sponsors et autres. Donc quand vous faites tout cela, vous savez que voilà ce que j'ai comme cagnotte, voilà ce que je vais recouvrer comme cagnotte tout au long de l'année, voilà mes dépenses qui sont séquencées soit en trimestre, soit en mois, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes en gestion là, nous ne sommes plus dans la propagande électorale. Et donc le président de l'Afrikafoot a dit que le championnat démarrera le 21 février prochain. Ça veut dire qu'il y a déjà un compte d'exploitation qui est mis en place pour le démarrage le 21. S'il dit le 21, c'est parce que évidemment, il a déjà les moyens de cela. Et on ne viendra pas montrer que voilà 600 millions qu'on a, mais ce n'est pas la gestion ça. On sait que tout est là. Il a dit que le championnat sera à 25 sur deux poules. Oui. Il a dit. C'est tout. Il a dit que. Mais c'est 25 sur deux poules. À ce niveau-là, poule qui aura 15, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que le niveau du championnat qu'on veut repositionner avec le niveau du championnat, est-ce qu'il ne sera pas moindre? 25 équipes. Mais quel niveau? Vous avez c'est beaucoup quand même. Écoutez, vous êtes dans un pays qui a des infrastructures sportives. Et c'est ça qu'on fait. Où est le problème? Pour qu'il y ait 25 équipes, il y a un problème à cela. 16 ou 20. Et non, il n'y a pas de problème à cela. L'Afrikafoot a les moyens de sa politique. Nous, ici, nous devons observer qu'il y a tous les moyens. Nécessaire, on pourrait dire que bon, quand vous avez peut-être deux ou trois stades, vous dites que, mais attends, comment on va faire? Le Cameroun a sept stades. C'est pas le stade. Et des stades d'entraînement qui peuvent jouer, qui peuvent servir des stades de tout. Donc, il n'y a pas de problème parce qu'on est un championnat à 25 clubs. Il a dit que les subventions passent de 10 à 20 millions de francs CFA. Oui. Il a les moyens. De cela, ce n'est pas des 20 mots de l'esprit. Il a les moyens. Vous avez l'habitude de nous dire ce qu'il y a les moyens. Chaque fois, vous avez jamais réussi à nous dire la vérité. Tout le temps que vous avez dit sur ce plateau, je prends acte, vous n'avez jamais réussi. Vous croyez que le président est. Non, je vous dis vous, personnellement. Non, je parle de vous. Vous nous avez promis sur ce plateau trois fois. Rien n'est dit. Et j'espère que vous venez dire ici, le 21 février, la vérité. Il dit que la cagnotte passera. La cagnotte pour le vainqueur du championnat passait à 50 millions de francs CFA. Oui. Et il reconnaît de façon légale que le TAS reconnaît le président Semengue comme le président de la Ligue professionnelle du football. Je vous mets à défi, président, de nous apporter un élément du TAS qui conteste la présidence de Samuel Eto'o à l'Afrikafoot. Je vois que nous sommes ici et il faut saluer cette sérénité qui revient. Merci, Simon Messengue. C'est ce que tout le monde a souhaité. Merci. On peut aimer Samuel, on peut ne pas l'aimer, mais reconnaissons une chose, c'est que les lignes bougent. J'aime les femmes. Les lignes bougent. Merci, Simon Messengue. Madame Yogo, nous on dit, le maçon sera jugé au pied du mur et au pied des promesses faites au mouvement sportif. Moi, je souris parce que quand j'écoute le président, je me dis, mais on a dit que la Coupe du Cameroun aurait lieu, je crois, au mois de juillet. Le championnat serait terminé là. Nous sommes en janvier.
et il doute déjà de 50 millions qui sortiraient. Franchement, il y a des gens qui aiment se stresser sur 7 mois. Nous sommes en janvier pour un événement qui va se passer. La Coupe d'Afrique des Nations nous a été attribuée en 2014. On l'a joué en 2022. Moi, je voudrais dire que quand on dit qu'on va à la boxe, et que le combat, c'est demain, si on commence à plier les poings la veille, on peut arriver sur la scène avec des crampes. Donc, le président ferait souvent un peu attention, parce qu'à sa santé, 7 mois pour douter de quelqu'un... J'ai douté en 8 ans. Ça fait 8 ans que j'attends la CAN. Il y a déjà ce problème-là. Il y a aussi le fait que la FIFA, de toute façon, nous continuons à dire que la FIFA et la CAF avaient déjà leur dé... bien arrangé pour la FECAFOOT. Oui. Parce que le désordre qui se passe dans le football camerounais les arrange énormément. Samuel Eto'o est la surprise. Est le cheveu qui est venu dans la soupe changer, bouleverser alors tout. Alors que c'est lui qui a... Parce que si la FIFA n'était pas pour ces élections, elle n'aurait pas demandé qu'on lui donne le signal pour suivre l'élection en Mondiovision. Je crois que comme moi, vous avez suivi en pleine élection... où on disait que le signal de la FIFA était parti et qu'il fallait le remettre rapidement parce que la FIFA est en train de suivre pas à pas l'élection. Alors, pour une élection qui n'a pas d'importance, pour un pays où on ne s'intéresse pas comment est-ce que fonctionne son foot, mais qu'on suive l'élection minute by minute, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, je dirais au président que souffrez que... même si vous n'aimez pas le chien, acceptez que ses oreilles sont pointues. Là où nous sommes aujourd'hui, Samuel Eto'o, moi j'ai d'ailleurs pitié de lui, parce que depuis le 11 décembre, je fais quand même confiance à ma mère Georgette qu'elle encadre bien. Oui. Parce qu'il est par monts et vaux, je ne sais pas combien d'heures il dort par jour, mais quand on est quelqu'un de parole, et quand on est quelqu'un d'engagement, et je voudrais redire au président que n'est pas meilleur joueur du monde qui veut. Non, madame, c'est qui c'est veut. Vous faites de la démagogie. Pour être dans un milieu aussi hostile que des championnats hors de son propre pays et sortir de là le meilleur, c'est pas n'importe qui. Il n'a jamais été élu meilleur joueur au monde. Bon, de toute façon, moi je ne peux rien changer. Tout ce que moi non, elle a dit meilleur joueur. Vous allez même m'aider à dire certaines choses au président. Rapidement. Moi je suis très rapidement, je suis allé à Barcelone visiter le Camp Nou avec des Camerounais. Et au Camp Nou, il y a tout un coin, tout un musée qui est réservé à Samuel Eto'o, des posters. Tous les joueurs qui ont joué partout. Non, pas tous les joueurs. Oui, mais non, moi, j'y étais, ne dites pas où vous n'étiez pas. Moi, j'ai vu dans ce musée de Samuel Eto'o, on était avec des Camerounais, on vend des gadgets, des ballons et des tasses. Et puis, des Camerounais me disent, moi, je n'achète rien ici, c'est un enfant, il se prend pour qui j'ai dit, tu as vu. L'aigritude est là. Je respecte nous sommes la personne. Dans un pays étranger où un des nôtres a tout un musée. Et toi, il tu viens le avoir premier. Le mauvais cœur à la haine. Tout un donc, c'est la même chose. Le président est gêné qu'un jeune est son étoile. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous qui voulez donc diriger le Cameroun, vous êtes aussi jeune. Vous comptez diriger le Cameroun avec cet esprit de critique à l'emporte-pièce. Je suis politicien, madame. Mon rôle, c'est de critiquer et d'apporter. Je suis dans le rôle. C'est mon rôle fondamental. Le dénigrement. Non, je ne dénigre personne. J'ai beaucoup de respect pour Samuel Eto'o en tant que footballeur. Je vais lui dire autre chose. Un jeune m'a dit aussi, il y a quelqu'un qui a dit, un qui était comme le président, il me dit Samuel Eto'o me dépasse en quoi? C'est pas parce qu'il a la plus grosse voiture, pas parce qu'il a été le joueur le mieux payé. Si on lui enlève tout ça, si on lui enlève... Mais vous êtes à la télé, justement. Oui, je vous dis que je n'ai jamais dénigré Samuel Eto'o. Président, vous pensez de la posture. Que le plateau donc, était le vous êtes dans l'affection. Le plateau est le nôtre. Non, madame. Donc, vous êtes dans l'affection. Vous êtes dans l'affection. Vous êtes dans l'affection. Je vous ai laissé parler. Vous parlez que de moi, je ne parle pas. Quand vous posez des choses à toi, vous parlez de moi. C'est un homme qui disait qu'Eto'o me dépasse en quoi. Ce n'est pas parce qu'il a le plus, il est le meilleur joueur payé, c'est pas parce qu'il a le plus d'argent. Oui. Il me dit, si on lui enlève tout ça, et je lui ai dit justement, tu ne vas pas lui enlever ce avec quoi il te dépasse. Président,
Quand quelqu'un nous dépasse, laissons, c'est sa chance. Et ton fils et moi ne fait pas le même combat, madame. Je ne suis pas footballeur, je ne vais pas être président de la FECAFOOT. Vous confondez tout au Cameroun. Je veux gouverner le Cameroun et non une fédération. Si je veux gouverner une fédération, vous avez Madame, je vais vous dire quelque chose. Vous avez un problème au Cameroun, vous les fanatiques des taux. Vous croyez que tout est dans une bulle. Nous sommes dans un pays où la légitimité. Je ne suis pas détracteur. Mais pourquoi vous nous n'avez pas? Je ne suis pas détracteur. Non, président. Je ne suis pas détracteur, vous comprenez les choses. Monsieur Entre détracteur et celui de parole, monsieur, il ne prend pas mon temps de parole. Chutez. Voilà. Non, apprenez-lui à ne pas prendre le temps de parole des gens. C'est entendu. Je laisse lui tout le temps. Il n'a pas à prendre le temps de parole des gens. Il prend celui de quelqu'un, moi je prends le sien. Voilà. Où est le problème? C'est l'émission. Merci, chers messieurs, chères dames. C'est vrai que le football au Cameroun passionne véritablement, et encore plus la personnalité parfois très rigide du goleador Samuel Eto'o et celle du général Pierre Semenge. Et ça n'a pas tardé, les Camerounais nombreux ont commencé à réagir à ce que vous dites, très chère madame Yogo. Il dit ceci: bonjour à tous. Quoi de plus normal que de faire respecter et appliquer les décisions de justice? Vous savez comment le général avait été mis de côté par certaines personnes de la FECAFOOT, avec la complicité de certains présidents de clubs aventuriers. Et ce sont ces clubs qui ont été choisis pour représenter. Et ce sont ces aventuriers qui ont été choisis pour représenter les clubs lors de la dernière élection de la FECAFOOT. Merci à vous, Georges. Vous écrivez depuis Douala. Alors, il dit encore ceci. Bonjour, sans Jean-Marie Fomongota, le débat n'est rien. Je m'apprêtais à zapper. Heureusement que vous avez introduit M. Jean-Marie, qui est une lumière. Jésus disait, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne coupe pas une nouvelle étoffe sur un vieil habit. Merci pour ces paroles bibliques, cher monsieur. Bonjour le panel, très belle émission. Je suis de ceux qui ont souhaité qu'après la CAN, les bus soient reversés à la FECAFOOT pour les clubs. Dites à M. Jean-Marie, Eto'o n'inventera pas les hommes, il travaillera avec les fantômes. Son rôle premier sera de montrer aux autres l'importance de son projet pour le foot et les footballeurs. Et il leur reviendra d'y adhérer et de travailler pour le foot et les footballeurs. Donnons-lui donc la possibilité d'asseoir ses idées. Merci à vous, Désiré, d'avoir réagi ce matin. Monsieur Marga, bonjour. Avec le respect que j'ai pour votre télévision, nous ne pouvons pas lire ce type de message. Vraiment. Nous faisons attention à ce qui est dit sur ce média et sur le respect des personnes que nous invitons. Bonjour Monsieur Marga, ainsi qu'à tout le panel. À titre de rappel, le retour du général Semenge n'est qu'un juste retour des choses, puisqu'il est remis dans son droit, confère les décisions du TAS. Alors, il est regrettable qu'un leader politique prenant le changement puisse soutenir l'imposture et le non-droit. Merci à vous, Cédric Pouga, pour votre, pour votre réaction. Cédric Pouga va travailler au Cameroun. On va avancer, président. Qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Bonjour le plateau. Vraiment, les Camerounais sont terribles. Vous parlez du général Pierre Semenge aujourd'hui, alors que ce monsieur est comme le maréchal Petit. C'est Pétain, en Pétain. Pétain, mais le monsieur a écrit Pétain en France. Pétain. Lisez le livre de Willy Massaga. Le Cameroun n'a pas de vérité. Vous verrez que le général a été à la tête de l'armée camerounaise et tué et massacré les opposants de l'UPC et autres. Normalement, on ne devrait même pas parler de ce monsieur pour diriger quoi que ce soit. D'aucuns diront qu'il avait reçu un ordre de tuer des Camerounais. Pourtant, dans l'armée, en ordre tordu, on ne l'exécute pas. Merci à vous d'avoir écrit depuis Ouagadougou, cher Paul, mais nous parlons de sport. Le passif militaire du général n'est pas à l'ordre du jour sur ce plateau. Merci d'avoir réagi. Je comprends. Bonjour le plateau du débat. Il est temps que les pendules soient remises à l'heure au sein de cette fédération après toutes les batailles que nous avons observées durant le mandat de Siam Bombondjua. Maintenant, laissons voir ce que cela peut donner. Peut-être cela présage de meilleurs lendemains. Merci à vous, Bekada. Je comprends. Monsieur Fomongota, il n'a toujours pas digéré le fait qu'Eto'o ait été porté à la tête de cette fédération. Mais ce que j'aimerais lui dire, c'est que ce qu'on voit un sage étant assis, un jeune même perché sur un arbre ne peut le voir. Ça, c'est les poules. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir réagi.
Bonjour mon fils Mbaga, bonjour le panel. Je pense que Tofi a commencé à détruire comme je l'avais prédit. Dans ses discours de campagne, il disait qu'il faut que les vieux laissent les jeunes aux affaires. Alors que fait Tofi avec un ancêtre de plus de 100 ans? Alors Tofi envoie un message aux jeunes qu'il ne se bat pas pour eux, il se bat pour lui-même. Voilà la preuve. Tofi jeune appelle les vieux à continuer à diriger. Tofi a promis de construire un stade à Saint-Méluma. Il y a des ingénieurs au Cameroun. Mais il négocie avec les étrangers, avec les ingénieurs étrangers pour venir construire le stade au Cameroun. Aïe, mon Dieu, et ton fils est dans le cercle des vieux. Il a jonglé les jeunes dans la boue. Heureusement que vous commencez déjà à comprendre ma vision. Bonbon Joya était mieux et on a enlevé une fenêtre pour mettre une porte. Heureusement, j'ai une vision. Merci à vous, apôtre Pierre. Nous allons nous arrêter là pour ce premier jet de lecture de messages. Sinon, on ne prendrait pas véritablement la première thématique qui nous interpelle ce matin. Celle-là, elle porte sur cette volte-face, on peut le dire ainsi, du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, qui appelle désormais ses militants à plus de retenue et à ne pas salir ou alors médire de la CAN Total Énergie qui commence au Cameroun, je le précise, dès dimanche prochain. Le leader du MRC fait cette sortie qui contraste avec ses récentes sorties où il disait, où il annonçait véritablement salir l'image du Cameroun via la CAN et appeler ses partisans à se mobiliser pour faire de ce moment de joie et de festivité au Cameroun un moment invivable pour le régime et ses soutiens. Madame Yogo, je commence par vous. Comment est-ce que vous, en tant que femme politique, appréciez ce revirement de position de la part du leader du MRC, Maurice Kamto? Oh, moi, je ne peux qu'applaudir. Oui. Je ne peux qu'applaudir. On dit en français, seuls les idiots ne changent pas d'avis. Et Maurice Kamto n'est pas un idiot. Dans le feu de l'action, dans le feu d'une décision de justice, on peut faire des déclarations. Dans une forte émotion, on peut déclarer des choses, mais cela n'enlève pas que, avec du recul, qu'on change d'avis. De toute façon, il aurait continué dans la lancée de la radicalisation. Les mêmes gens auraient dit, voilà, il veut détruire le Cameroun. Aujourd'hui, où lui, il prône aussi l'apaisement, on dirait même l'union sacrée, comme a déclaré le président, on dit pourquoi est-ce qu'il se calme. Donc ça veut dire qu'il y a des gens dans ce pays qui ont des bidons d'essence, oui, pour venir éteindre le feu en disant que ce sont des bidons d'eau. À partir du moment où un leader politique voit ses militants, parce que moi je ne suis pas d'accord que des personnes qui manifestent pour un mécontentement social soient en prison. On ne peut pas accepter cela. Mais quand on a aussi cette chance, enfin après 50 ans, d'organiser un événement continental et mondial, oui, c'est un peu comme dans un couple. Hein. Souvent, vous êtes dans un couple, vous avez des problèmes et tout, et puis les voisins, des invités frappent à la porte. Qu'est-ce que vous faites? Le couple, quand vous êtes quand même un couple vraiment un peu sérieux, vous vous calmez tous les deux, vous recevez les étrangers, comme si de rien n'était, vous causez, et quand ils repartent, vous posez vos dossiers sur la table. C'est comme ça que cela se passe. Je vous suis dans votre réflexion, mais oui, on sait très bien aussi, nous, bon, bref, que les couples ont des amis et parfois ces visites amicales peuvent être, lorsqu'il y a des tensions dans la maison, un moment de partage, d'expérience commune. Peut-être c'est un ami qui peut vous dire que monsieur Maga, arrêtez de bastonner votre femme, ou bien c'est madame, servez mieux votre mari, soyez obéissante. De ces invités qui viennent, quels sont ceux qui sont là qui pourront dire au couple que arrêtez de bastonner votre femme? Si on prend votre exemple. Et puis, je voudrais vous dire une chose. Oui. À mon âge, je sais une leçon, une sagesse de vie, c'est que le mariage, c'est une chaussette percée dans une chaussure fermée. Si vous n'enlevez pas vous-même votre chaussette pour montrer aux gens que voilà comment ma chaussette est percée, personne ne saura que dans cette chaussure fermée, votre chaussette est percée. Oui. Donc, cela veut dire que quand on est dans une vie de famille comme nous le sommes actuellement au Cameroun et qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes qu'on n'obstrue pas. Il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes. Et puis, il n'y a pas que des prisonniers du MRC. Il y a Stand-Up qui a des prisonniers. Il y a des prisonniers politiques même qui n'ont rien à voir avec des partis politiques. Il y a des innocents qui sont en prison. Il faudrait se battre pour une justice légale pour tout le monde.
une justice juste même, s'il faut dire. Oui. Donc, le véritable problème aujourd'hui, c'est que dans la foulée d'avoir, d'avoir sanctionné des prisonniers, la réaction ne peut être que normale. Moi, je le dis, je le répète tout le temps, on a eu un étudiant, le président des étudiants du Cameroun au Maroc, qui avait été injustement mis en prison, mais nous avons fait des pieds et des mains pour le sortir, et dans l'action, ce n'était pas facile. Nous sommes allés jusqu'à contacter les médias internationaux pour dénoncer cela, pour dire que ça ne marchait pas. C'était dans les années 1997. Oui. Donc, d'abord, ils sont là, les étudiants, ils me regardent, ils reconnaissent ce fait. Ce fait, on l'a porté à l'Assemblée nationale du Cameroun, au ministère des Affaires étrangères, pour que le président de l'association des étudiants camerounais soit libéré. Donc, ce combat, je l'ai mené. Mais je veux dire qu'il y a façon et façon de mener un combat pour demander la libération de ces gens. Et je trouve que tout est à l'honneur de M. Kamto de baisser la garde, de dire « Ok, j'enlève un peu le pied sur l'accélérateur et que la canne se passe. » Mais pourquoi on lui en voudrait aujourd'hui de sortir ce genre de langage? Ça veut dire que les mêmes... C'est-à-dire souvent, des gens vous encouragent à mettre le feu. Oui. Et celui qui vous dit d'acheter un cheval ne va pas vous aider à l'élever. Hein. Parce que ceux qui applaudissent pour dire que oui, il faut que qu'ils réagissent, quand il a ses problèmes, quand ses militants sont dans les problèmes, je ne vois pas tous les autres aller le soutenir. Donc moi, je crois que c'est vraiment de la saine sagesse de dire que on lève le pied pour l'instant, que la canne se passe et qu'on n'impute pas au MRC le désordre de la canne. Parce que c'est ce qu'on cherche aussi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent même faire le désordre pendant cette canne, pour le mettre sur le dos du MRC. Et moi, je dis que c'est vraiment sage d'avoir fait cette déclaration. Et c'est avec beaucoup de respect que moi, j'ai accueilli cela. Et je me dis, un grand homme, c'est un grand homme. C'est celui qui sait prendre une bonne décision au bon moment pour le bien d'un peuple. Donc, moi, je ne peux qu'être contente de cette déclaration. Merci, Madame Yogo, pour votre prise de parole. Simon Metsingi, je reviens sur les déclarations du leader du MRC Maurice Kamto, qui annonçait des moments troubles lors de la CAN. Il espérait véritablement profiter de cet instant de visibilité pour passer des messages politiques. Il a même lancé un avertissement à ceux-là qui avaient pour habitude de salir l'image du Cameroun. Il disait qu'ils allaient contribuer véritablement à la salie durant l'événement CAN. Mais aujourd'hui, une sortie tout à fait complètement à l'encontre de ce qui avait été annoncé par ses soins, il prône l'apaisement en lançant un message, en adressant un message à ses militants pour un discours mieux structuré et favorable à la CAN. Première lecture pour l'homme politique que vous êtes. Ça ne me surprend pas. Vous n'êtes pas surpris? Ça ne me surprend pas. Le président du directoire du mouvement pour la naissance du Cameroun, tant pour moi, a toujours été un homme ambigu. Qui peut dire A et B, qui peut dire oui et son contraire. Donc, ça n'émeut personne. Et d'ailleurs, même les menaces à peine voilées qu'il a eu à faire n'avaient aucun impact sur les gens. Mais on a quand même vu un fort déploiement sécuritaire dans la ville de Yaoundé au lendemain de ces menaces. Écoutez, quel fort déploiement sécuritaire? Je suis à Yaoundé. Les policiers circulaient, les gendarmes, c'est de suite, chacun va casser ses occupations. Et vous êtes sans ignorer que ce n'est pas la première menace. À tout moment, ce monsieur est toujours en train de proliférer des menaces. Une fois, c'était les villes mortes, c'était ceci, ainsi de suite. Ben, ça n'émeut personne. Ce qu'il faut dire ici aujourd'hui, c'est justement ce qu'on attend d'un leader politique, c'est d'éduquer les masses qui le suivent. C'est l'État, ce n'est pas le leader. Un parti politique a pour rôle, a deux rôles. Deux rôles. Si quelqu'un dirige un parti politique, il ne connaît pas ces rôles-là. Il n'est pas à sa place. Premier rôle, chercher le pouvoir. Deuxième rôle, éduquer ses masses. Parce qu'on éduque les masses à mieux le porter vers le pouvoir qu'ils recherchent. Alors, un leader politique qui ne peut pas dire à ses militants que tout ce que nous faisons doit être encadré par la loi. Qu'un homme politique, le fait de dire que je suis un homme politique, ne nous absout pas de nos devoirs civiques. Du respect de la loi. Alors, ça veut dire que... Oui, monsieur Metsingi. Moi, la sortie du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, bien avant que
ceux, bien avant que certains Camerounais qui ont mené des actes qui s'assimilent à l'appel à l'insurrection et qui sont répréhensibles par la loi du Cameroun et donc de ce fait ne peuvent pas être considérés comme des parce qu'on attribue à tout le monde le caractère de prisonniers politiques. Vous allez voler le bandit, non, parce que vous êtes du MRC ou de l'UPC, ou je ne sais pas quoi, vous êtes un prisonnier politique. Vous détournez les fonds publics. Quand on vous a dit que non, on ne sait pas, on a voulu l'arrêter parce que Paul Biya, ainsi de suite, tout le monde est devenu un prisonnier politique. Il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Oui. Il est une chose. Nous sommes dans une république qui a des lois et des devoirs, qui a des droits, qui a des règles, qui a des principes. Quiconque menace ces principes-là est répréhensible par la loi. Et il ne saurait être un prisonnier dit politique. Parce que derrière, au Cameroun, il n'y en a pas. Tous ceux qui sont en prison sont des prisonniers de délits de droit commun. Et ils sont jugés suivant les tribunaux. Quand vous portez atteinte à la sécurité de l'État, vous êtes jugé par le tribunal militaire, que vous soyez civil ou pas. Quand ce sont des délits de droit commun des autres, vous êtes jugé par des tribunaux normaux. C'est-à-dire que lorsque vous avez détourné les fonds publics, vous êtes jugé par un tribunal d'exception qu'on appelle le TCS. Maintenant donc, vous sortez. Que Maurice Kamto prône l'apaisement aujourd'hui, je crois que ma consoeur, ou du moins ma chère aînée a dit, oui. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. C'est ça dont il est question. Et évidemment, le professeur Maurice Kamto n'est pas un idiot. Il ne saurait être un idiot. Je juge juste qu'il a peut-être utilisé ce qu'on appelle, ce que les avocats font souvent, l'effet des manches. Même quand il n'a rien à dire, il dit bon, je vais quand même faire comme s'il avait fait une déclaration, même si elle est vide. Mais c'est que vous avez c'est la ça, de... ça va au quartier. Nous, on appelle ça le sicia. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça l'une des questions. Mais il faut dire que nous regrettons que ceux qui sont partis en prison soient partis. Si on pouvait leur dire ne faites pas ceci, parce que cela va vous amener au pays de si je savais, on aurait pu le faire. Mais puisqu'il est là, néanmoins tout le monde va voir la canne, parce que même dans les prisons, il y a des fan zones qui sont créées. Faites dans les lignes, monsieur Messenger. Évidemment, merci. Ce sera bien pour tout le monde. Laurent Patrick Ambara, est-ce qu'il est sage pour le gouvernement de l'État du Cameroun de ne pas prêter une oreille à ce discours entretenu par le MRC, c'est-à-dire cette façon ambiguë de se projeter face à l'avenir politique de notre pays? Un MRC qui se prétend menacer la CAN et un MRC qui revient des jours après dire non, nous allons accompagner la CAN, en précisant que cela ne fait pas d'eux des soutiens de l'événement. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas faire un peu plus attention et ne peut pas tout balayer du revers de la main comme M. Messengue le fait? Vous savez, c'est là où je pourrais contredire ma mère Odile Hugo. Quand on dit que seuls les idiots ne changent pas, je ne voudrais pas utiliser l'expression idiot à l'endroit de ce président, parce que j'ai quand même du respect pour la personne qu'il est. Mais je mets cet idiot-ci-là entre guillemets. Je vais vous dire pourquoi Kamto n'a pas changé. Vous avez l'impression qu'il a changé, je vous dis non. C'est le même Kamto qui, à quelques jours des élections municipales, législatives, qui avait déclaré le MRC va postuler. Quelques jours plus tard, le même Kamto revient sur sa décision en disant que il n'y a pas de code électoral consensuel, il n'y a pas de ceci, alors qu'avec le même code électoral, il a accepté de se présenter candidat à l'élection présidentielle. Il a fait profil bas. C'est le même Kamto. Le même Kamto revient, il n'y aura pas de CAN, on va boycotter la CAN, on va montrer au monde entier que le Cameroun est un pays de dictateurs où on ne respecte pas les droits de l'homme, on ne fait pas ci, il y a des prisonniers politiques qu'il faut libérer, si on ne les libère pas, on va boycotter la CAN. C'est le même Kamto qui revient faire profil bas. Il vous dit, non, il appelle ses militants à se calmer, que personne ne marche, qu'on attend d'abord que la CAN se déroule très bien, mais c'est déjà connu. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que Maurice Kamto est revenu sur sa décision. Allez-y. D'aucuns n'ont pas lu en profondeur. Oui, le même Maurice Kamto qui vient prendre une décision après que les membres de la BAS se sont rendus au siège de la FIFA pour demander l'annulation de la CAN au Cameroun.
Peut-être vous le savez très bien, vous êtes journaliste. Oui, oui. Nous avons là-bas, c'était de ce côté-là. On a dit, on va vous recevoir, on a tourné la base, tourné, se sont découragés avec leur mémorandum. Ils sont rentrés. La même base a néanmoins réussi l'exploit, parce qu'il faut le dire ici, de pousser les clubs européens à ne pas vouloir libérer nos joueurs, nos frères. Monsieur Ambara, vous allez comprendre. Vous négligez tout, sauf que faites très attention. Parce qu'il faut apprendre à mettre les choses en corrélation. Vous avez l'impression que ces clubs ne gagnent pas? Non. Bon, ils ont finalement libéré pourquoi? S'ils seraient perdants. Comprenez bien le cheminement. Monsieur Mbarga, je vous assure un seul instant que si ces gars de la basse avaient réellement été reçus, ce que la CAN aurait des difficultés aujourd'hui. Maurice Kamto a fait ce qu'on appelle en communication politique un sondage au niveau de, il faut tester. Si le message passait du boycott de la CAN, Maurice Kamto n'allait pas faire marche en arrière. Mais il a vu, et je suis content, une fois de plus, que sur ce même plateau du débat, lorsque je parle au moins, quelque part on m'écoute. J'avais dit ici que s'il tentait, ce n'est pas la police, ce sont les populations, ce sont les citoyens camerounais. Même le président allait sortir parce que depuis 8 ans, il veut sucer cette canne. Et qu'enfin, même si on a bricolé la devanture du stade Olembe, on a quand même l'opportunité de sucer notre canne. Que tu nous dises que on ne peut pas la sucer, mon frère, pour tes intérêts personnels égoïstes. Si Kamto était un vrai leader politique, avez-vous vu Nelson Mandela sortir de prison et laisser les autres prisonniers de l'apartheid? Non. Il était le dernier à sortir. Tous étaient dehors. Si Kamto était un leader politique qui maîtrisait un peu le cheminement de la vie politique, Maurice Kamto serait le dernier à sortir. Il est bien le dernier, mais il était plutôt le premier à courir vers l'extérieur. Ça prouvait déjà à suffisance à ses militants que c'est un échec comme leader politique. Merci Laurent Patrick Ambara. Alors Jean-Marie Fomongouta, quelques déclarations me font tressaillir sur ce plateau. Et l'homme politique que vous êtes, je me tourne vers vous pour éclaircissement. Mais Simon Messengue déclare, il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun. Maurice Kamto est ambigu dans ses sorties. Aujourd'hui, il menace, demain, c'est l'apaisement. Je ne parle pas de la corrélation en fait entre la démarche de cette brigade anti-sardinaire du côté de Zurich en Suisse, qui a tenté vainement, je le précise, d'attirer l'attention de l'instance suisse sur la Coupe d'Afrique des Nations intercamerounaises. Mais alors, est-ce que toutes ces prises de position au sujet du même événement ne finissent pas par diluer même le discours et jeter du trouble sur l'homme Maurice Kamto dans sa posture de leader politique? Vous savez, M. Mbarga, je suis choqué et scandalisé sur ce plateau. Un journaliste qui devient un militant d'un parti et un militant d'un parti qui manque de respect à un leader politique national. C'est-à-dire que, avant que Paul Biya ne soit président de la République, il est président national du RDPC. Et nous, dans notre parti, nos militants ont le devoir de le respecter avant de respecter l'homme et l'institution. Il est inacceptable qu'un militant du RDPC ose dire insulter la République qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun. Je me rappelle que lorsqu'on organisait encore les organisations de base du RDPC, on a brûlé la maison d'un sous-préfet, qui est une institution nationale. Personne n'est en prison. On a sorti le fusil Élie Faure. Personne n'est en prison. Mais le militant RDPC se vante à dire, quand quelqu'un a fait quelque chose, on doit l'enfermer. Je crois que on ne joue pas avec la liberté fondamentale. Aucune nation au monde, aucun être humain au monde n'a le droit de se voir privatiser sa liberté au détriment qui fait une marche. Ce n'est pas acceptable. C'est antidémocratique et anti-républicain. Il est inacceptable que un leader charismatique comme Maurice Kamto s'exprime. Les militants, les journalistes qui deviennent des militants veulent prétendre à nous dire que le leader charismatique Maurice Kamto a tort ou il a raison. Non. Lorsqu'un homme a été candidat à une élection présidentielle, il allait au suffrage universel. Il s'est présenté face au peuple à vouloir gouverner un pays. Il respecte un minimum de respect.
Lorsqu'un homme est allé défendre les couleurs, les valeurs du Cameroun auprès des Nations Unies pour qu'on puisse recevoir nos terres, il mérite moins de respect. Cet homme ne doit pas aller à la boue aujourd'hui parce que voilà, certains individus... Vous avez balayé du revers de la main le général Pierre Semeneux. Monsieur Mbarga, il interpelle de manière indirecte parce qu'il a l'habitude de couper les autres. Oui. Quand Jean-Marie Fomongo t'a parlé tout à l'heure, il a dit qu'on veut ramener parce qu'on va dire le père général Pierre Semeneux. Il dit que Maurice Kamto était avocat, il était payé par l'État du Cameroun. C'est normal. Ça ne devrait pas faire de lui quelqu'un qui, quand il permet que les gens aillent pisser sur un drapeau et s'allier à ces personnes-là, il a encore le respect de la République. C'est entendu. Quand un chef d'État fait il va sur Facebook, il fait le sien, c'est encore le respect de la République. Et ça, vous appelez que vous êtes des hommes politiques. C'est un commissaire divisionnaire de la République du Cameroun qui a dit que Maurice Kamto avait traité les gens qui ont cassé l'ambassade de la salissure. C'est pas moi, c'est un commissaire de la République. Je vais vous faire comprendre quelque chose, monsieur Mbarga. Oui, allons-y. Nous sommes dans un pays où les libertés sont bafouées, où le droit d'être humain est bafoué. Pourquoi? Parce que c'est pas le libertinage qu'on nous donne dans les chaînes de télévision qui est une liberté. On peut parler à la télévision, mais lorsqu'on arrive dehors, on est embastillé et que la télévision n'est plus prête à démontrer qu'on était embastillé après avoir été à la télévision, c'est un sérieux problème. Nous sommes dans un pays où certains croient que le fait d'être dans un parti au pouvoir délimite le rôle de l'opposition. Maurice Kamto est un leader charismatique qui s'est exprimé parce que, monsieur Mbarga, on ne viole pas la liberté des hommes. Lorsqu'on condamne les militants du MRC à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire ces juges même sont contre la Coupe d'Afrique des Nations parce que ça pouvait attendre après la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous relance. Je pose une question qui, beaucoup, lorsque nous parcourons en un coup d'œil les messages que nous recevons, c'est sur la posture du leader Kamto et cette ambiguïté permanente qui l'entoure et cette façon de changer. Monsieur Amara nous a fait un récapitulatif de ces différentes prises de position à l'orée de faits majeurs. Lorsque nous sortons de l'élection présidentielle, il s'autoproclame président. Lorsque la CAN arrive, le législatif, il demande qu'on n'aille pas voter. Des ambiguïtés comme ça entourent le personnage Maurice Kamto. Est-ce que ces ambiguïtés-là ne le font pas qu'aujourd'hui, même sa parole et sa posture de leader charismatique, comme vous dites, ne soient pas remises en question? Non, monsieur Mbarga. Monsieur Maurice Kamto empêche de faire dormir le gouvernement. Ça veut dire que, comme il a travaillé à l'intérieur, c'est un fin stratège. Il connaît la maniabilité de tous ses ministres et tous ceux qui sont dans le gouvernement. Comment il connaît les faiblesses et les efforts. Lorsque Maurice Kamto sort, il fait une dépêche, tout le gouvernement ne dort pas ce jour. C'est-à-dire que c'est voilà quelqu'un qui anime un jeu stratégique dans la nation. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Ne serons pas dans l'émotion à quoi que on va critiquer ou condamner. Moi, je ne suis pas à la hauteur d'accepter lorsqu'on bafoue la liberté des hommes. Oui. Nous sommes dans un problème fondamental au Cameroun. C'est-à-dire que voilà un pays où les militants d'un parti brûlent la maison d'un sous-préfet et qu'on les connaît, personne n'a été en prison. Les militants d'un parti sortent des fusils, on bastonne les gens à Kribi qui viennent à Mondial Vision pleurer, personne n'a été en prison. Mais malheureusement, d'autres militants marchent pour les libertés et les droits. Est-ce que cela justifie donc les différents changements de posture? Non. Monsieur Mbarga, on ne juge pas un homme politique sur les postures et les changements. Non. Maurice Kamto a une voix qui porte vis-à-vis du gouvernement camerounais. C'est-à-dire que chaque fois, regardez vous-même, Maurice Kamto va juste pour dédicacer son livre à Douala. Il y a 15 commissaires qui empêchent la dédicace. Alors qu'à Yaoundé, il a fait. Moi, je comprends pas si Douala est à New York et que Yaoundé est au Cameroun. C'est-à-dire que. Non, laissez attendre. Kaban Libye a fait une semaine en avant. Il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier Jean-Marie Fomongo. Laissez-moi parler quand même. Vous avez fait pareil. Atébé ne représentait quoi au Cameroun? Ah bon? Maurice Kamto représente une institution politique nationale. Maurice Kamto. Je vous dis bien que intellectuellement, Maurice Kamto est au-dessus d'Atébé Yéné. Vous me faites rire. C'est pas le débat. Non, à tous les niveaux, il veut dire Atébé Yéné. Moi, je pleure votre politique. Non, non, non. Je veux qu'on se comprenne. J'ai l'impression que Laurent Patrick. Vous faites dans du populisme. Oui. Mais sauf que, en général, les journalistes camerounais oublient que le populisme est une idéologie. Vous croyez peut-être. C'est un mot qu'on amasse au quartier. C'est toute une idéologie. Alors vous mélangez tout et rien. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Maurice Kamto est un républicain qui a toujours servi la nation à la hauteur de ses exigences. Maurice Kamto, malgré les fracasses, parce que Maurice Kamto est un homme qui maîtrise
tout gouvernant camerounais, il sait quelle parole peut craquer n'importe quel gouvernant camerounais. Maurice Kamto reste un républicain et son discours d'apaisement est un discours louable. Ça veut dire que Maurice Kamto démontre encore plus que lui qui est un leader charismatique, il dit calmez-vous, laissez que tout se passe et soyons dans la loyauté républicaine. Moi, je trouve que c'est quelque chose à respecter et quelque chose à mettre à la hauteur que de faire des petits chantages où des gens vont dire des choses pour dire des choses. C'est-à-dire que cette parole, aujourd'hui, a beaucoup apaisé. On voit même aujourd'hui les militants du MRC qui essaient de nettoyer les rues à Douala après avoir entendu la parole du leader charismatique. Moi, je crois que nous devons rester dans la posture républicaine à respecter les leaders politiques. Ce n'est pas aux militants ou aux journalistes à critiquer les hommes politiques comme ils veulent le faire. Parce que le journalisme est un métier. Le politicien aussi en est un autre aujourd'hui. Il faudrait qu'on se respecte. Et nous saluons votre métier, Jean-Marie Fongouta. Oui, Simon Messengui, avant que Mme Yogo ne prenne la parole. Je voudrais dire que ça, c'est le journaliste aussi a pour rôle de vous n'êtes pas là en tant que journaliste. Oui, je parle du journaliste. Oui, allez-y. Je parle du journaliste comme je peux parler du marchand. Je dis pour rien que le journaliste aussi a pour rôle ou du moins le journaliste s'occupe plus du train qui n'arrive pas à l'heure que c'est lui qui arrive à l'heure. On ne peut pas non. Une fois que cela est dit, faire une critique à un homme public. Bien. Je voudrais dire qu'il faut bien qu'on se comprenne. Ce n'est pas parce qu'on fait une comparaison de deux éléments qui sont diamétralement opposés qu'on souhaite. Vous brûlez la République, vous n'êtes pas des prisonniers. Ce qui marche devient des prisonniers. Nous faire comprendre ici que il y a des prisonniers politiques. Je m'attendais à ce que le président ici nous démontre comment est-ce que tel est prisonnier. Mais Yomé, ça l'est quoi? Mais ça là en prison, il n'est pas président national d'un parti politique. Je voudrais dire ceci. Un prisonnier politique, celui-là qui est privé de liberté pour son idéologie ou pour ses choix politiques. Oui. Maintenant. Il n'y en a pas au Cameroun. J'attends qu'on me présente un seul. Mais Yomé, c'est où? Il n'est pas. J'attends qu'on me présente un seul. C'est un président national d'un parti politique. Il a été arrêté parce qu'il est président national. Il est président national d'un parti politique. Écoutez, si vous volez, on vous arrête. Non, mais volez, tu vas arrêter. Tous les amis de MSNBC, vous êtes permis. Tous les amis de MSNBC, vous êtes quoi? Laurent Patrick, mais là, ce débat soit régulier. Je comprends une chose. Nous avons une dame parmi nous. Moi, je comprends une chose. C'est quoi? C'est que je peux comprendre donc que M. Fomongota, dans la République, qui souhaite diriger, fera des hommes politiques des personnes au-dessus de la loi. Parce qu'il vous dit, lorsque vous êtes déjà président de parti politique, alors, même si vous faites quoi, même si vous tuez quelqu'un, on doit pas faire. Vous avez fait quoi? Dites-nous ce que M. Fomongota a fait. Si aujourd'hui, moi, Simon Metchenge, je vais en route et je me mets à appeler à l'insurrection. On ne peut pas me condamner. On ne va pas me condamner parce que je suis membre d'un parti politique. Et quand tu brûles la maison du sous-préfet, tu dois être dehors. Écoutez, je vais au cas par cas. Les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des marches interdites par la loi ont été arrêtées pour des faits bien connus et des faits de droit commun. Parce que ce n'est pas, et vous voyez très bien que le MRC continue à fonctionner. Le président du MRC est dehors. Il y a plusieurs, moi j'en connais déjà beaucoup d'amis dans le MRC qui sont dehors, qui n'ont jamais été inquiétés pour leur idéologie ou pour leur façon de penser. Maintenant, il faut faire le distinguo entre nos actes qui peuvent être répréhensibles par la loi et qui n'ont rien à voir avec la politique que nous faisons. Tel que je l'ai dit, je reviens à la personne publique du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Oui. Je dis très bien que c'est quelqu'un qui est ambigu. Selon vous, il dit une chose et son contraire. Selon vous. On peut avoir au moins trois éléments et mon copaniliste de droite l'a si bien relevé. Moi-même, j'ai relevé des choses que c'est pas lui. Le 8 octobre 2018, il prononçait un discours de victoire. Et il demandait même déjà à l'administration et à l'armée de se préparer pour la transition. Où le problème? Deux. Cabral l'a dit, vous avez fait quoi? Je voudrais vous montrer son ambiguïté. Parce qu'il faut démontrer l'ambiguïté de quelqu'un. Il faut pas, ce ne sera pas de la comédie. Et deux, lorsque nous sommes au Conseil constitutionnel, il demande qu'on
n'annule l'élection. Vous ne pouvez pas avoir gagné, vous ne pouvez pas avoir proclamé d'avoir gagné et en même temps de dire qu'on annule l'élection. Ça, c'est de un. De deux, vous avez un homme, le 26 janvier 2019, mais évidemment, qui lance les marches qui sont interdites. Et lui, il est juriste dans une autre vie. Il est professeur Maurice Kamto, donc juriste. Pourquoi les marches sont interdites? Un juriste d'ailleurs de haut vol. Dites-nous pourquoi les marches sont interdites. Les marches sont interdites. Pourquoi? La loi a... Ah, dans la loi vous appartient. Le RDPC marche, mais le professeur ne doit pas marcher. La loi a interdit ces marches. Oui, vous marchez. Les gens ne doivent pas marcher. La préfecture a interdit ces marches. C'est une dictature totalitaire. Maintenant, je voudrais que vous me suivez très bien pour voir son ambiguïté. Allez-y rapidement. Maintenant, le semaine 26, il y a la mise à sac des ambassades. Oui. Tous les mouvements ont condamné cela, sauf le MRC. C'est ça être une républicain. Et vous avez porté plainte un jour. C'est ça, le Cameroun a porté plainte. Monsieur, me soyez cohérent. Je vous ai posé la question. Si le Cameroun a porté plainte, il sacralise la République et tous les éléments. Non, qui arrêtez, la monsieur, mais c'est vous faites de l'émotion. Nous sommes derniers. Non, moi j'apporte des faits. Non, pas de faits. Monsieur Kato est enfermé. Étant enfermé, lui casse l'ambassade. Maintenant. Étant en prison, lui casse l'ambassade. Maintenant. Maintenant, madame va prendre la parole. Nous allons aux législatives, aux municipales. Il met tout un parti en branle. C'est son parti. Non, c'est pas son parti. C'est son parti. Le parti n'appartient à personne. Non, il est dit. C'est lui qui dirige. Et c'est justement. Vous ne comprenez que vous. Non, c'est faux. Arrêtez de dire. Vous dans le RDPC. Vous êtes des. Vous n'arrivez pas à dire que vous avez privé la maison du sous-préfet devant la télé. Dites pourquoi il avait privé la maison du sous-préfet. Vous êtes éducateur en puissance. Vous dites que le parti déteste. Comme vous dites que votre parti, ça veut dire que si quelqu'un vient à vouloir respecter, vous avez dit non, non, j'ai dit bien que vous avez brûlé les maisons du sous-préfet. Mais là, vous tournez. Il a mis tout un parti en branle pour préparer les législatives. À 13h, un jour avant, d'autres m'avaient déjà payé leur caution. Tout avait déjà lancé les pré-campagnes. Où est ton mal? Le Républicain, selon. Où est ton mal? Dans Fomongota. Mais le MS n'a pas de démission. Il dit que lui, il décide que. Qui a démissionné donc parmi ceux qui ont fait? Alors, non, comment non. Ça, que, à, maintenant que les Camerounais ont vécu tout cela, maintenant que les Camerounais ont vécu tout cela, moi je pose même aux téléspectateurs la question. Oui. Maintenant qu'ils ont vu tout cela, vous pensez que c'est pas le procès de Maurice Kamto, monsieur. Quel crédit, moi, quel crédit chaque Camerounais qui connaît très bien ses leaders peut avoir avec les mots à peine. Merci, monsieur Messengue, vous avez posé la question. Alors, madame Yogo, nous sommes en période de campagne. Le Cameroun. Ces pays bénis accueillent le monde du football, accueillent la planète football. Allez, regarde, du monde entier braqué vers nous. Est-ce que l'heure n'est pas à l'apaisement, tout simplement? Moi, je vous regarde, je vous écoute et je suis très loin de tous ces débats-là. Parce que je ne pense pas que le thème aujourd'hui soit sur le personnage Kamto. Oui. C'est de quoi que le thème, c'est sur l'acte qu'il a posé. Cet appel à parler d'apaisement. Donc, son histoire, je crois que je le dis souvent, au crack, on dénonce et on propose. Et le crack est toujours considéré comme un petit parti. C'est vrai qu'on nous dit souvent, moi je me dis. Nous vous invitons sur ce plateau, ça veut dire que nous considérons votre parti. Oui, madame. Non, mais je vais aller dans ce sens. C'est-à-dire que souvent on dit, vous êtes petit parti parce que vous n'avez pas de député, ni de maire, ni rien. Voilà. Mais le MRC aussi n'a pas de député, ni de maire, ni rien. Mais je ne peux pas me comparer, on ne compare pas l'animal sauvage, l'animal domestique. Quand moi je sors, je n'ai pas que tout l'armée. Que voulez-vous dire? Non, mais quand moi je sors. C'est explicite chez madame. Mais quand je sors, je n'ai pas l'armée qui sort dans la rue. Voilà. Mais quand lui sort quand même, ça veut dire que comme avait dit Eto, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Donc, quand un parti a une certaine grandeur, parce que qu'on le veuille ou non, même sur les plateaux de télévision, depuis quelque temps, le MRC n'y va plus, donc on sent un peu les plateaux refroidis, parce qu'ils animaient aussi la scène politique. Bon, je vous ai toujours dit que j'ai du mal à venir, pour mon petit temps d'apparition, parler des partis des autres, ça me gêne. Oui. Parce que j'aimerais tellement qu'on accorde aussi autant de temps au crack. Oui. Parce que c'est pour ça que je suis quoi au Cameroun. Je vous voulais vous dire, chère madame, permettez que je fasse plaisir, oui, au crack que vous représentez sur ce plateau. Oui. Alors, quelle est la position du crack justement par rapport à la CAN? L'opinion politique camerounaise, une certaine, a pensé que la CAN était un investissement de trop face aux multiples sollicitations qui étaient celles
des Camerounais lambda. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas à manger, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais la CAN consommait et aspirait beaucoup d'argent. Est-ce que le crack que vous représentez sur ce plateau pensait comme cela? Ou alors, est-ce que le crack a estimé que la CAN, justement, était une vitrine de promotion de l'image du Cameroun? Mais, monsieur Marga, partout où vous m'avez vu sur les plateaux de télé, j'ai défendu mordicus la CAN. Oui. Parce que j'ai vécu la CAN il y a 50 ans, ça fait 11 ans, je suis content de la vivre aujourd'hui dans mon pays. C'est une opportunité énorme pour un pays qui sait l'utiliser et qui sait l'exploiter. Je voulais juste d'abord passer sur une petite parenthèse sur la FIFA. Parce qu'on a dit que des gens sont allés déposer un mémorandum. Bon, moi je n'ai pas vu les images, mais la seule image que j'ai vue sur Internet, où des gens étaient devant le panneau de la FIFA, c'était 6 personnes. Il y avait 3 Européens, 3 Africains. Donc, il y avait un gros titre, les gens vont déposer quelque chose à la FIFA. Quand 6 personnes avec des pancartes en carton... On va pas mettre 1 million pour déposer un courrier à la FIFA, madame. Non, non, on ne veut pas être 1 million, mais allez regarder cette image et vous regardez un peu la crédibilité que vous donnerez à cette image. Moi, je crois que quand on veut faire le buzz, on fait le buzz. De toute façon, aujourd'hui, la CAN est là. C'est bien beau de nous ne sommes pas, nous avons dit que les gens rendront des comptes pour cette CAN. Oui. Parce que tout ce qui a été fait comme calcul est totalement faussé. Moi, je suis dans l'esprit de qu'est-ce que cette CAN apporte à notre pays. Oui. Au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau social, au niveau économique. Moi, j'ai fait trois Coupes du Monde. J'ai été en Afrique du Sud, j'ai été en Italie, j'ai été au Brésil, j'ai été à la Confédération le jour où Fou est décédé. Quand on a la chance dans un pays de vivre ce genre d'événement, oui. Quand il est bien organisé, parce que en fait c'est parce qu'il y a la CAN Gate, il y a eu trop de problèmes. Il y a la CAF qui fait des problèmes, il y a la FIFA qui fait des problèmes, il y a entre nous Camerounais, on fait la danse Bafia, on avance 2 fois, on recule. La FIFA nous fait avancer 4 fois, nous fait reculer. La CAF, ce n'est que depuis une semaine que enfin ouf. On peut dire que la CAN est acquise parce que les arbitres de la FIFA sont arrivés. Mais je dis c'est dommage parce que tout le temps qu'on a perdu à discutailler, à se disputer, à prier même qu'il faut que cette CAN soit retirée parce que ça va montrer que le Cameroun a échoué. Mais si le Cameroun échoue, c'est nous tous qui avons échoué. Si cette CAN réussit, c'est notre fierté. Et regardez simplement l'engouement. Vous pensez que la femme qui vendait des beignets par jour, 1000 francs, avec la CAN, elle va pouvoir vendre pendant la CAN 3000, 4000 francs, 5000 francs. Et moi, j'ai décrié d'ailleurs la casse qui a été au lycée bilingue des Sosses. On a cassé des ondes le 30 décembre. J'ai dit, ce n'est pas à ce moment qu'on peut casser quelqu'un parce que c'est pendant cette CAN que chacun compte aussi faire une petite affaire. Oui. Donc, pourquoi ne regardons pas seulement nos problèmes personnels, mais regardons tout l'engouement que cette CAN apporte économiquement, toute la joie. C'est-à-dire, on a toujours du plaisir à être sur les plateaux, à dire les tueries, le sang, les machins. On est tellement devenus des pompes funèbres, on est devenus des croque-morts que même quand des moments de joie arrivent, on les refuse. Mais moi, je dis non, on ne peut pas continuer comme ça. Oui. Personnellement, moi, je dis, j'ai défendu la CAN mordicus, j'ai décrié ce qui ne marchait pas. La preuve, c'est sur ce plateau. Quand on disait qu'il faut retirer la CAN au Cameroun ou à Olembe pour aller mettre des matchs d'ouverture au Qatar. Moi, j'ai été la première personne. C'est moi qui ai dit ici que prenez le génie militaire. Et le génie militaire a bien fait son travail. Donc, moi, au CRAC, je dénonce et je propose. Donc, voilà, par exemple, l'autre idée. En Afrique du Sud, l'Afrique du Sud s'est fait remarquer avec des vuvuzelas. Oui. Pourquoi nous, on ne prendrait pas les maracas là qui coûtent entre 100 francs et 1000 francs et 2000 francs pour agiter, pour faire du bruit? Il faut une originalité. Une particularité. Une particularité dans cette case. Voilà des choses que nous, même les hommes politiques, nous devons proposer. Nous devons même aider ce gouvernement à réussir cette CAN. Parce que, est-ce que nous pensons que quand nous allons tout brûler, si nous venons même pour régner, nous n'allons pas régner sur les cendres, hein? Donc, nous avons même intérêt à aider à la construction de ce pays. Parce que si vous voulez prendre un pays, prenez un pays en bon état. On n'a pas laissé à Paul Biya un pays en feu. Il n'a pas à nous laisser un pays en feu. Il a intérêt à sortir par la grande porte, merci, à nous laisser un pays en paix. Donc ça, c'est important. Donc moi, s'il faut œuvrer, c'est-à-dire que je saute d'un plateau à un autre, d'un village à un autre, d'un événement à un autre, pour vanter la CAN. Moi, je suis là pour... Moi, je suis fier d'être Camerounais, je suis fier de vivre la CAN. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir cette CAN-là. Donc moi, personnellement, vraiment,
S'il faut que je sois debout 24 heures sur 24 pour la CAN, moi je serai là. Merci, chère madame. Welcome to Cameroun. Bienvenue au Cameroun à tout le monde. D'avoir utilisé la minute accordée au crack pour véritablement vanter la CAN. Il n'y a pas une minute pour l'énergie 2021. Monsieur Messengue, vous êtes toujours sur nos plateaux pour parler de la CAN. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et obèses. Bonjour, monsieur Mbarga et le panel. Très bonne émission. Je souhaite que le RDPC ne soit pas distrait. Le Parlement est en train d'aller au nord. Ils sont en train de parler de Kamto, des réacteurs comme dit Aboubakar, Ousmane Mé et Tamarche. Notre temps, M. Messengue est en train de voir le MRC, pauvre Cameroun, c'est Merlin depuis Addis Abeba. Je voudrais savoir aussi quand le président du Cameroun sera au nord, il fera un comment. Bon. Merlin, nous parlons de la CAN. Nous promouvons la CAN sur ce plateau. Bonjour, cher panel. J'aimerais poser la question de savoir s'il n'y a pas de militants du RDPC en prison au Cameroun. Question à M. Jean-Marie, et sachant que la stratégie dont il est question, c'était le bruit des casseroles au vu de son parti qui n'a pas de poids politique. Dites à M. Jean-Marie Fomongota que c'est lui qui ne sait pas écouter, ne saura jamais parler non plus. Merci à vous pour votre contribution. Quelqu'un n'a même pas encore 6 semaines à son poste et on vient déjà jeter les pierres. Dites à M. Ngota que Eto respecte les décisions de justice et contrairement à d'autres, il fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Je ne sais pas qui conseillait M. Kamto depuis, mais s'il savait que ce message d'apaisement est bel et bien du leader du MRC, alors je salue une telle initiative. Maurice Kamto connaît très bien comment fonctionne le système BIA, c'est un système qui aime bien fouetter. Quand tu donnes l'occasion de te fouetter, je suis content que le désordre de la CAN ne soit pas imputé à ce grand leader. Maintenant, j'espère que le gouvernement va aussi mettre de l'eau dans son vin en libérant ces militants qui ont été justement condamnés. Merci à vous, chers messieurs. Bonjour. Bonjour, Fomongota a tout fait en France jusqu'à jouer au football. Pourquoi ne rentre-t-il pas en France où le régime n'est pas dictatorial? À part ses propos partisans et teintés de tribalisme, il défend plus Kamto que le MRC. Kamto au-dessus de Atiba Yeni, sauf que Atiba avait le baccalauréat et Kamto n'en a pas. Il n'y a qu'au Cameroun que le professorat est octroyé aux capacitaires. Il n'a jamais eu le docteur. Fomongota, il n'est pas agrégé au Cameroun. Sans sur France, la base de quel code électoral Kamto se programme-t-il? Président élu, ce n'est pas le débat du jour, cher monsieur. Bonjour à vous tous sur le plateau du débat. Un homme politique sincère et sérieux qui a une sensibilité politique auguste et constructiviste doit s'inviter à l'apaisement. Pour l'intérêt général, tous les Camerounais doivent rester unis devant les défis qui engagent la nation, faisant fi des combats politiques stériles pour notre cher pays. La décision du président du MRC est à saluer. Merci à vous, cher Christian Boutou, pour votre contribution ce matin. Simon Messengue appelle quoi insurrection? Il ne dit rien. Monsieur Mbarga, il n'y a pas de militants du RDPC sages et respectueux. C'est quelqu'un qui est fanatique. Il n'a pas d'idéologie. Merci de signer votre message, cher monsieur. Alors, poursuivons. Kamto et son parti politique est un danger pour ce pays. Madame Odile Yogo, permettez-moi de vous dire que Kamto n'est pas un imbécile. Combien de tentatives de déstabilisation il a eu à mener contre ce pays? Si un professeur de droit amène les gens à ne pas respecter les lois, à mon avis, c'est très dommage. Monsieur Ngota, savez-vous qu'il y a des gens en prison à la CPI pour leur déclaration? Bonjour, Maurice Kamto ne fait pas la politique, il n'est pas politicien, il fait l'escroquerie. Non. S'il vous plaît, il s'agit quand même de... Bonjour Info TV, pour une fois je ne suis pas d'accord avec le président Fomo. Maurice Kamto n'est pas un homme politique, c'est un plaisantin. C'est un avis, c'est le vôtre et nous le respectons. Kamto fait simplement dans du Kamto. Voilà un qui avait dit qu'il ne sortirait pas de prison si tous ses camarades n'étaient pas libérés. Et nous tous, on connaît la fin. Je n'ai pas envie de doigter Mamadou Mouta. Aujourd'hui, il y a juste quelques jours,
il essayait de mobiliser les foulées, les foules pour la libération des prisonniers politiques. Aujourd'hui que ces derniers savent leur sort, ils mobilisent les foules pour la CAN. Seuls les naïfs vont continuer à suivre quelqu'un qui roule pour le régime en place en manipulant le peuple et pris des changements. S'il vous plaît, rappelez à M. Ngota que Maurice Kamto n'a jamais été à l'ONU en bénévole. Il était bien payé pour ça et même qu'il n'était pas seul à défendre la cause du Cameroun à cette occasion. Voilà, ces messages sont nombreux. Bonjour le panel. L'organisation d'une compétition sportive dans un pays n'a toujours été que positive sur tous les plans. Lorsque le Brésil organisait la Coupe du Monde, il était en pleine crise. Mais tous les détracteurs qui étaient justement les opposants politiques ont reconnu qu'après cette compétition, l'économie avait été boostée sur tous les plans. Serge, depuis à Bombang, merci à vous d'avoir réagi, cher monsieur. Bonjour à vous, Info TV. J'aimerais remercier la maman qui est juste à côté de vous. Le Cameroun sera un pays développé et émergent grâce aux personnes comme vous, maman. Je suis Mokhtar depuis Fumban. Merci. Dans le Noun. Bonjour Stéphane et à ton panel. S'il te plaît, soyons rationnels et mesurés. Une seule question. Est-ce que Kamto, c'est le premier leader à avoir dit oui à 8h et dit non à 18h? Aux années antérieures, nous avons constaté qu'un leader, en son temps, avait dit oui pour deux mandats à 8h et à 18h. On disait non à la limitation de mandat. Minalmi. C'est comme ça que M. Alain Tanga a signé son message. Alors, prenons un ou deux encore pour dire un mot sur la prochaine thématique. Bonjour, je suis d'accord avec ce monsieur, le professeur Maurice Kamto reste notre libérateur. Je suis prêt à donner ma vie pour ce grand monsieur. Va donner. La CAN sera amère tant que les prisonniers politiques seront toujours en prison. Je ne vais pas dire vivre le MRC parce que c'est pas, nous ne sommes pas en campagne. Quand Kodok disait qu'il faut s'accrocher à un serpent lorsqu'on se noie, les détracteurs talibans disent qu'il a vendu le pays. Et quand Kountou dit qu'il y a zéro mort, on dit qu'il est fort. Maintenant, Kamto dit qu'il faut faire l'isole à la CAN. Et les mêmes talibans disent maintenant qu'il est républicain. Merci, mais le message n'a malheureusement pas été signé. Il prend l'apaisement. Je me demande bien ce qu'il aurait fait pour nuire à la CAN. Il me fait trop rire. Nous, le peuple, on allait bien les fouetter ici dehors. Chance à lui de bien réfléchir. C'est honorable Jean Nietzsche de SDF qu'on attend. Quelle blague. Moïse à Oza. Alors, nous allons nous arrêter là pour ce premier jet de lecture de messages sur cette édition du débat. Nous allons, sans transition aucune, passer à la deuxième thématique qui nous interpelle ce matin. Et cette annonce forte qui nous vient de certains médias étrangers qui présentent comme ça un variant du Covid-19, mais issu celui-là du Cameroun. Votre réaction, Madame Legault, je vous sais très sensible à cette thématique-là. Est-ce que ce n'est pas l'apparition d'une énième tentative de sabotage de la CAN au Cameroun? Cette histoire de vaccin qu'on nous sort du chapeau, après les clubs européens, après les infrastructures, après la vie chère, après le climat politique, maintenant on parle d'un variant camerounais. De toute façon, je vous avais dit ici que chaque jour qui se lève, je me demande qu'est-ce qu'on va nous sortir d'autre. Donc en lisant qu'il y avait un variant pour le Covid, il y avait un nouveau variant qui vient du Cameroun, je ne suis pas étonné. Parce que de toute façon, personne ne payait cher que le Cameroun organiserait cette CAN, que le Cameroun aurait cette CAN et que les populations danseraient pour avoir eu cette CAN. On ne danse pas encore, hein. Le vaccin fait peur à beaucoup de personnes. Non, moi je crois que M. Barka, très honnêtement, par rapport à ce qu'on vivait il y a 3 semaines même seulement ou 1 mois, on ne vivait pas la CAN dans ce pays. Mais de plus en plus, vraiment, la CAN est visuelle à tous les niveaux. Et je crois que quand des gens sont aigris et qu'ils voient que malgré tous les efforts faits pour nous rendre tristes par rapport à cette CAN, nous continuons d'avancer, c'est normal qu'on crée quelque chose de nouveau. Parce que ce variant qui subitement... S'il existe. Qui subitement apparaît sur le net, parce que je ne sais pas si scientifiquement
on a signifié au Cameroun, parce que moi je m'attendais à ce que ce soit l'Institut Pasteur ici qui dise. Dans les autres pays, on nous dit c'est un pays qui déclare qu'il a un variant. Mais pour le Cameroun, c'est ailleurs qu'on dit non, ce variant. C'est un média bien précis qui fait l'annonce. Mais un média bien précis, oui, mais c'est pas les scientifiques. Un média précis, n'importe qui peut sortir son histoire et dire que oui, je suis un média. Est-ce que ce sont les scientifiques reconnus? Est-ce que c'est l'OMS qui a déclaré que ce variant vient du Cameroun? Est-ce qu'il y a plein de choses? De toute façon, on voudrait à tout prix nous coller quelque chose avec ce Covid. Mais qu'on accepte aussi que nous ne sommes pas contre le vaccin, mais nous avons trouvé nos méthodes traditionnelles qui nous aident à tenir et à traverser ces moments difficiles de cette pandémie, qu'on l'accepte aussi, mais qu'on veuille à tout prix nous coller quelque chose. Bon, maintenant qu'ils nous annoncent donc qu'il y a un variant camerounais, les conséquences de ça, c'est quoi? Est-ce que ça va nous empêcher de jouer la CAN? Bon, ils avaient dit qu'ils ne libéreraient pas les joueurs. Aujourd'hui, nous sommes à 3 jours, 4 jours de la CAN. Ils ont libéré tous les joueurs, ils sont là. Ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont ils faire? Ils n'avaient pas dit pour non, mais ça. De toute façon, pour oui. ceux qui veulent que cette CAN ait lieu, vont trouver une raison de la rendre belle. Ceux qui veulent que cette CAN n'ait pas lieu vont trouver un alibi pour la salir et la détruire. Mais je crois qu'il est trop tard. À 4 jours d'un événement, avec ou sans Covid, nous allons avoir une CAN. C'est vrai qu'elle est sucrée, ils l'ont pimentée, elle sera salée. Mais la CAN, vraiment, nous allons la vivre. Alors, Simon Messengue, je vous ai lu avec beaucoup de plaisir ce matin, vous dénoncez cette énième forfaiture, selon vos si je vous lis bien, contre la CAN Total Énergie au Cameroun, et surtout dénoncer ces médias-là qui, véritablement, sans preuve aucune, sans investigation poussée, sans, comme Mme Yogo le précisait, sans rapport ou alors audit scientifique, se permettre comme ça d'afficher en grande une l'hypothèse, la possibilité, je pèse mes mots, d'un variant camerounais. Oui, mais oui, vous savez que ce média, pour ne pas le nommer, France 24, qui depuis la semaine dernière déjà avait fait des frasques sur la vie chère au Cameroun, ainsi de suite, il a été rappelé à l'ordre par le patron de la communication. Cette semaine encore, il a apporté des informations suffisamment approximatives, que ce soit sur le plan sanitaire ou sur le plan sécuritaire. Je crois que il faut quand même commencer à taper le point sur la table. On ne peut pas avoir à faire un travail aussi bâclé sur une compétition assez importante comme la CAN. Je dois rappeler une chose, c'est que cette chaîne de télévision française traite l'information comme si le Cameroun était la France. C'est en France qu'il y a un vrai problème de Covid-19. Je rappelais que ce matin, je crois, il y a 2 millions de contaminés. Donc là-bas, il y en a vraiment un problème. Mais ce n'est pas le Cameroun. Cette situation ne peut pas comparer le Cameroun. Le Cameroun n'a pas ce problème-là. Je crois qu'on aussi, je crois, les 200 personnes, ou moins de 200 personnes contaminées. Et justement, pas de décès. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. C'est eux, c'est à la France de prendre les méthodes adéquates pour protéger les populations de ce côté-là. Mais on ne saurait donc transposer un problème sanitaire qui se passe à l'Hexagone au Cameroun. Donc il faut que ce média fasse vraiment attention. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à accepter des choses de ce genre. Et même sur le plan sécuritaire, et on a l'impression que tel a dit ceci, ils ont dit, on est dans la logique des ragots. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. Mais on peut même questionner le pourquoi certaines chaînes sont dans cette logique-là, dans cette démarche-là. Oui. Je crois qu'il faut regarder les choses le plus clairement possible. Nous sommes dans une question d'intérêt. Je vous rappelle que la CAN aujourd'hui va se passer avec 24 équipes. Donc cette CAN-là a la même portée que l'Euro. Parce que l'Euro également, c'est à 24 équipes. Et vous savez très bien que dans la hiérarchie des compétitions importantes, vous avez la Coupe du Monde de football, vous avez l'Euro et vous avez la Coupe d'Afrique avec 16 équipes. Avec 16 équipes. Maintenant, que vous avez l'euro a un problème aujourd'hui parce que l'Europe est le continent le plus touché. C'est-à-dire qu'en matière de c'est le continent le plus touché. On compte pratiquement près d'un million de morts. Et donc, ça pose un problème dans l'organisation des compétitions, des grandes compétitions. Ce qui n'est pas le cas de l'Afrique. De ce fait-là, vous savez très bien que les sponsoring, les grands sponsors peuvent se délocaliser.
Vers le continent africain. Le continent africain, ce qui serait une mauvaise affaire pour cela. Et je crois que nous allons dans ce sens-là. Nous ne pouvons, c'est-à-dire que on ne, même si on ne voudrait pas, on est obligé de regarder ça comme ça. Il faut bien que les Africains comprennent très bien que la COVID apporte aussi, c'est-à-dire que le fait que l'Afrique, de par les moyens sanitaires qu'ils ont mis en place, de par même sa situation géographique, est en marge même d'une quelconque, du moins de la propension forte ou exacerbée de la COVID, est aussi un atout. Et qu'on le veuille ou pas, l'Afrique doit en bénéficier de cela. Donc le Cameroun en premier. Le Cameroun, c'est le premier pays de football africain et l'un des mastodontes du football mondial. Et donc, évidemment, ça a un impact là-dessus, un impact positif. Alors, il faut bien informer l'opinion, et je remercie vraiment Info TV de prendre à compte-pied ce type de machination et même de braquage sur le plan de la communication. Je remercie de tout cœur cette chaîne de vouloir montrer à l'opinion internationale que ce qui est fait n'est qu'un bashing, un bashing nocif. Merci Simon Messenger. Jean-Marie Fomangota, je vous pose la question et je fais mon devoir patriote ici. Est-ce que, au vu du déroulé de M. Simon Messenger, nous n'assistons pas là à une énième tentative de déstabilisation de la CAN intercamerounaise? Vous savez, M. Mbarga, j'aime pas être sur des plateaux de télévision avec des néocolons. Monsieur Messenger est un néocolon. C'est son président de la République qui est président national de son parti qui dit aux Camerounais, je ne vais ménager aucun effort, vaccinez-vous. Dans un pays où lui déclare qu'il n'y a pas de corona, mais qu'on n'a que 200 contaminés, alors que le ministre de la Santé nous parle de 111 000 contaminés total au Cameroun. Et nous parle de 1622 morts. C'est-à-dire que Monsieur Messenger, lui, va à l'encontre de son chef d'État qui nous déclare le 31 décembre. Je vous donne la moyenne. Non, je parle de journalier. Moi, je parle en général. Quand on parle en 40, on prend ce qui est général. Le ministre de la Santé nous parle de 111 000 contaminés. Et la sortie de France 24. Oui, mais avant France 24, non. Oui. C'est-à-dire que le nouveau variant a été découvert à Marseille. C'est-à-dire que c'est des Camerounais qui rentraient de séjour au Cameroun qui ont été amenés à l'hôpital. C'était au début décembre. Et les experts à Marseille ont donc dire que ce variant venait du Cameroun, mais jusqu'à l'heure actuelle, les scientifiques sont encore en étude pour déterminer effectivement. Donc, la sortie de France 24 est prématurée. Non, mais je ne refuse, ça ne m'engage pas, vous savez. Non, je vous ai fait... j'aimerais que vous le disiez. Nous sommes, monsieur Marga, nous sommes dans il n'y a aucune raison qui a. Vous voyez, vous savez que ce qu'elle ne comprend pas, nous sommes dans des épreuves de force. Il n'y a pas d'amitié dans ce monde. Je vous ai toujours expliqué. Les émotions restent dans les valises. Là, c'est des épreuves de force. Chacun veut montrer de quoi il est capable. Mais nous sommes dans un pays où le chef de l'État, monsieur ne vient du parti au pouvoir, envoyé sur ce plateau, lui nous dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas de corona rien au Cameroun. Mais son, c'est sensible et important. Je dis, je réponds le discours du chef d'État. Nous sommes d'accord. Paul Biya dit, je ne ménagerai aucun effort. Tout le monde doit aller se vacciner. Comme interpelle. Le ministre de la Santé a déclaré qu'il y a plus de 3 millions de vaccins qu'il a mis entre tous les stades. Oui. Que les gens doivent se vacciner. Oui. Et le 31 décembre, c'est le président Paul Biya qui déclare et demande au Cameroun. Il exhorte. Non. Ce n'est pas une exhortation. Il a demandé, le président exhorte qui? Le président a demandé. Vous savez comment un chef d'État prend une décision? Vous savez vous qui voulez être chef d'État. Non. Vous savez comment une décision. Laissez-moi parler. Pourquoi vous avez tourné tout en rond? Moi, je n'aime pas la spécificité. Un variant camerounais. Alors,
c'est le discours qui améliore le variant. Si le président de la République ne demande pas aux Camerounais de se vacciner, si dans un pays où on ne reconnaît pas le Covid-19, comme dit monsieur, vous venez de prévoir. Voilà, de prévoir. C'est-à-dire, si le président de la République nous demande d'aller se vacciner, c'est qu'il reconnaît que ce variant existe. Et moi, ce que je ne crois pas qu'il existe, pas qu'il existe de façon. Monsieur Mbarga, monsieur Mbarga, dans un pays où il n'y a pas d'hécatombe de mort du Covid-19, on ne demande pas aux gens de se vacciner. Si on demande aux gens de se vacciner, c'est parce que on sait qu'il y a quelque chose. Vous savez que le chef d'État est informé avant nous tous. Et il sait ce qui se passe. Donc lui, il prévoit déjà, gouverner sur le pouvoir, c'est-à-dire qu'il sait que ça peut être en danger. Donc il demande aux gens d'aller se vacciner. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que nous devons être. Non, c'est toujours. Moi j'ai l'impression que le chef de Sénat a eu 7 minutes d'expliquer les choses. Mais lorsque je veux parler, vous me demandez de citer. Alors, si c'est une dictature en plein plateau, je l'assume. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que nous devons être à la hauteur des temps. Aujourd'hui, arrêtez d'accuser l'Occident ou quoi que ce soit. Lorsqu'on est responsable de son pays, oui, et lorsqu'on veut faire des choses en grandeur selon son pays, on ne prend pas de prétexte que l'Occident a dit ou bien France 24. La CRTV peut jouer le même jeu que France 24, c'est pas interdit. La CRTV peut passer tous les jours à dire que non, ce qu'on dit n'est pas vrai, mais malheureusement ce n'est pas le cas. France 24, lui, joue son rôle de mettre son média en avant pour que la communication de l'État française ou de l'Europe en avant. Et c'est pourquoi... Merci, s'il vous plaît. À la fin, monsieur Mbarga. Non, mais nous avons demandé ça. Monsieur Mbarga, mais vous laissez aux autres parler. Pourquoi s'il vous plaît, monsieur Mbarga. Je ne parle pas de vous, je dis les autres. Monsieur Mbarga, dites votre mot avant que nous concluions l'émission. Justement, monsieur Stéphane Mbarga, je voudrais rappeler quelque chose ici. Nous parlons là du Covid et on parle d'un variant camerounais. Oui. Toutes ces épreuves qu'on subit depuis un temps, venant de ce côté-là, justement, se pointent lorsque notre canne. Monsieur Mbarga, tu as parlé d'épreuves de force. C'est moi, normal. Je suis en train de vous dire clairement, il y a quelque chose que j'ai apprécié le Mali. Lorsque le Mali a suspendu que le signal de RFI ne passe plus par là. Oui. J'ai apprécié ça. C'est à un moment ce qui manque à nos dirigeants au Cameroun. Voilà. Les correspondants de France 24 devraient être suspendus sur l'étendue du territoire camerounais. Je vais vous dire pourquoi. Le ministre Patrick Ambassala a été victime. Il a accordé l'interview à France 24. Ce qui a été coupé, c'est une partie de ce qu'il ne... Donc c'était la suite. Mais on a pris une petite partie où il a dit tout va mal. Il est revenu, il a exprimé son mécontentement. C'est également un signal fort que France 24 lance à nos gouvernants. C'est pour faire quoi? Lorsque moi, Laurent Patrick Cambara, je vais demander l'interview à un ministre, qu'il soit de la santé, il refuse. Eh bien, quand il vous l'accorde, quand vous partez chez vous, il prend 5 000, il vous donne pour dire que vous avez faim. Mais lorsque France 24 arrive, il va donner au moins 5 millions de francs CFA pour dire que c'est. Et lorsque vous avez ce genre d'informations, c'est vous-même qui cherchez. Ce n'est qu'à dire bravo parce que nous-mêmes, on a la solution. C'est de mettre fin aux correspondants de France 24 au Cameroun, mais on ne va jamais le faire parce que vous avez peur de la France. Merci, Laurent Patrick. Merci. Simon Mestenguer, vous avez 30 secondes. Oui, 30 secondes. Et madame aussi, on va 30 secondes. Dire exactement ce que le président de la République a dit. Je n'ai pas besoin. Oui, je voudrais dire ceci. Voici ce qu'il dit. Rapidement, monsieur Mestenguer. Mais on regarde la réalisation de ce virus. La vaccination constitue sans doute une mesure de barrière supplémentaire. Merci. Madame Yogo. Non, de toute façon, moi, je vais dire que ceux qui veulent aller au stade où on exige un vaccin ou un pass sanitaire, qu'ils se mettent en règle et qu'ils aillent vivre leur CAN. Merci. Donc, moi, de toute façon, la CAN, moi, je vais la vivre. Merci, madame Yogo. Bienvenue pour votre message à tout le monde. Oui. Monsieur Fobogota, nous sommes en pleine CAN. Oui. On ne peut pas refuser ce qui est de notre. Oui. Ce qui est joie. Nous allons la vivre et faire des critiques après la CAN. Merci, Jean-Marie Fobogota, pour ce mot d'espoir par rapport à cet événement grandiose. Le pays Cameroun frémit d'impatience, d'attente. L'Afrique du football se retrouve en terre camerounaise. Faisons de ce moment un moment particulier. Ne prêtons pas l'oreille ou alors nos yeux à ces sorties médiatiques dans notre genre qui véritablement ne servent pas l'événement majeur qui attend le Cameroun dès ce dimanche. Mesdames, messieurs, c'est par ces mots d'encouragement au projet CAN que nous mettons un terme à cette édition du débat. Restez fidèles au programme d'Info TV qui se poursuit avec le 12h. 12h qui revient aussi en particulier sur tous les événements qui entourent la CAN parce qu'elle est nôtre sur Info TV, votre média de proximité et du vivre ensemble. Bien le bonjour.